On se dispatche tout de suite ou pas? Salut à tous les amis, je sais pas si on est en live ou pas, mais bon, on va faire comme si c'était la live. Exactement. Bienvenue dans cette Tsubasa Cup Paris, deuxième édition de la 2019. Votre ami Shane, qui l'a gagné, est là. Il a remis son titre en jeu. La coupe, vous la voyez. Là en face. Allez, bon, elle est là. Ouais, vous la voyez. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Twitch, à partager le live. Désolé pour l'attente. On a remis les choses à plat, etc. etc. Ok. Donc. Le format, c'est 4 poules de 6 joueurs. Le premier va directement en quart. Le deuxième et le troisième fait un huitième pour rejoindre le quart. Voilà. Voilà les poules. Donc la poule A, Mitch, Akuma, JR, Humber et Loxad et Commissaire. Le groupe B, Letan, Zawa, Bajojo, Badem, Mano et Yu Santana. Groupe C, BGI, Nanu, Selmo, Wesley, Kira et Nero. Et groupe D, Reddy, Chain, Zélien, Jay, Benet et Totoro. Voilà. Le hashtag Tsubasa Cup Paris. Déjà, merci à tous d'être venus. Voilà. Yo. Merci de tous être venus, ça fait plaisir, ils sont venus très très loin, donc je salue le geste, donc voilà, on va bientôt démarrer les poules, je sais pas si vous les voyez, il y a le lien sur le chat, on va vous mettre du challenge pour voir les poules en direct, en live, on va se mettre en temps réel avec les scores. Le premier match qu'on stream, c'est lequel du coup? Alors le premier match qu'on stream, bonne question, ça serait bien, donc déjà c'est un match du groupe B ou du groupe A. Est-ce que mon petit Vanny peut nous dire les matchs? Jamix. Pour diffuser les matchs, on choisit les affiches ou pas? Alors, moi j'avais établi des affiches séries. Sur ma liste, j'ai une TS à côté pour faire des séries. On les a séparés au max. Et du coup, on diffuse qui? Est-ce qu'on a comme match sympa? Oui. C'est l'Extra Life Café. Extra Life Café. Ouais. Sur Twitch, tapez Extra Life Café. Yo, Itch, 3975. On va voir le nombre de personnes qui regardent là, pour l'instant. Je sais pas si on peut le voir. Demande-lui s'il peut le mettre. Ça sert à rien, tu sais pas s'il y a des gens pour parler. Par contre, il y a du monde, bordel. Bordel. Premier match, j'ai Rumber. Ok. Donc, on va faire comment Chamix. La poule C est en haut. Chamix, tu t'occupes des groupes là-haut? Alors, Nanou, toi, t'es où, toi? Moi, je suis en haut, moi. C'est des en haut. Mais par contre, moi, j'ai pas le... Mais non, mais tu les envoies aussi avec le script. Ok, vas-y. Salut, Humber. Tu vas bien? Ok. Donc, Nanou, tu t'occupes bien ce qu'ils font là-haut? Ouais. Bon, vas-y. Alors, attends. Salut, Nachi. Vanny, ouais. C'est possible de voir nous le nombre de personnes qui regardent en live. Alors attends, ah ouais d'accord, ok. C'est juste que j'avais mis le lien. D'accord, on est sur. Par contre, on s'organise comment moi? Dès qu'ils finissent le match, ils viennent voir Vanny avec le. Enfin, un truc plus simple, non? En haut, vous pouvez taper sur le téléphone directement les résultats. Moi, j'ai le mien, moi. Tu peux corriger l'orthographe de Shane, c'est un Y. Ok, ouais, je vais le faire. Ah, mais Chamix, moi, c'est mon téléphone, j'ai pas le challenge. Toi, tu m'envoies chaque joueur à chaque fois, ça va être relou, non? Il est là, tu fais. Salut, tu gâches. À ce moment-là, la rigueur, SMS. Non, mais le SMS. Le SMS il est là. Vas-y, dis-moi. Bah ouais, c'est relou. C'est ça.
Bon, allez, chat. Ah, le vieux Nero. Salut, Pinard. Il y a du monde ce soir. Ça, j'habite pas loin. Hein? T'aurais dû faire le tournoi. Quoi? T'aurais dû faire le tournoi. J'ai compris que j'ai dit, t'aurais dû faire le tournoi. Non, je peux pas. La dernière fois, j'ai joué en même temps que j'organisais, c'est pas possible. C'est comme, je vais faire comme à la japonaise. Je ouais, m'occupe que de management. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Sinon, c'est trop dur. Dédicace bah, à tous les frères à cartiser. Pilar, ouais, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. le vieux Néo. Voilà. T'inquiète, je vais passer l'épaule, c'est sûr. C'est sûr. Tu l'as pas sur. Allez, bon tournoi. Moi, je vais en haut là. Sur le Escra Life. Pas sur Twitter de Extra Live, normalement ça a dû se mettre le lien. Parce que là j'ai le téléphone et. Attends, tu sais quoi, je vais faire vite fait bien faire. Hop. Ah mais sur Twitter il s'est mis. Ah mais c'est pas moi qui garde le cœur par contre, c'est les gars. Ah il faut le mettre. On est parti pour un bon match. Je vais vous emmener jusqu'à la fin de ma soirée avec 24 joueurs ce soir. Ouais. 24 joueurs. Et il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Il y a du très bon monde aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a du bon niveau. Donc en tout cas, vous voyez le trophée devant vous. Donc le trophée de la deuxième édition. C'est ça. Deuxième édition 2019, tous les 6 mois. Donc, peut-être une en mois d'avril 2020. C'est ça. Voilà, peut-être. Voilà. Donc, après le succès de la première, et il y a eu un autre succès, plus le Dream Championship. Donc voilà. C'est sympa, c'est super sympa. Regarde le message de Pilar sur le chat. Il reste encore de la place pour le tournoi. Ça dépend de combien de temps il est là. S'il prend la passe à Nalou, peut-être. Faut prendre la passe à Nalou, peut-être. C'est toi qui vois. Essaie de venir. On va essayer de trouver un moyen. On va essayer. Mais t'as intérêt à te dépêcher très très vite si tu veux jouer un minimum. Là, faut speeder. Hein, voilà. Alors, en tout cas, donc, on va lancer les premiers matchs. Ouais, on va lancer le premier match. Là, mine de rien, on parle. C'est qui c'est, on m'a dit c'est. Alors, Albert déjà, je vais lancer les matchs off stream. Donc, commissaire, t'es là. Mitch, l'un et l'autre. Vous okay. Affrontez. Vous pouvez démarrer, les frères. Donc, en gros, vous pouvez démarrer. Là, ça démarre. Voilà. Akuma. Ouais. Lolxad. Ouais. Deux. Il est là. Voilà. Il est là. Ah, allez-y. Donc, allez-y, messieurs. Voilà. Oui. Bad Jojo. Oui. Santana. Direct. Ah, direct. Ah ouais, c'est. Direct. Ah, ça y va. Direct. Ça y va tout de suite. Létan. Oui. Mano. Ah voilà, en plus c'est à côté. Mano. Voilà, direct. Zawa. Madem. Voilà. Les deux. Et donc, comme vous l'avez affiché, donc JR et Humber, installez-vous. Comment la coupe? On va la remettre là. Je sais pas. Oh, avant qu'il y ait une dinguerie. Tu la veux pas peut-être pour une photo là? Bon, allez. Ah, une photo avec le trophée. Attends, vous voulez pas. Alors, donc. On espère que ça marche. Voilà, au moins. Ça rendra mieux, je pense. Voilà, là, c'est nickel. Ah, ok. Alors c'est vous. C'est lancé le stream ou pas? Non, il n'y a pas de problème. Le stream est lancé ou pas? Le stream est lancé. Ok, je vais faire les news sur les réseaux sociaux. Super. Ok, donc alors, JR et Humber, vas-y, parle-nous un petit peu de. Alors, Humber, je connais parce qu'il fait partie de ma conf. Je crois, non, même plus maintenant. Faisait. JR, il était là la première Tsubasa Cup Paris. Il était là aussi la japonaise. Et il était aussi à la Japan Expo. Donc c'est un joueur qui suit très fortement l'actualité du PVP IRL. Donc c'est un joueur qui est un fidèle, un régulier, donc ça fait plaisir de le revoir ce soir. Et voilà quoi. 726.
Voilà. Bon, allez, je veux un truc sur le stream, moi, faut juste. Vas-y, un scrum, il n'y a pas de problème. Vas-y, Gislain. Voilà, Gislain. Voilà, déjà, ouais, voilà, déjà, en plus, c'est vrai, c'est justement, on va lancer les infos sur nos réseaux sociaux, comme ça, ça va pouvoir relayer. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut que je mentionne, par exemple, ou des. Toi, je te mets dedans. Bah, est-ce qu'il y a des dedans. Gars. Est-ce qu'il y a. Allez, est-ce qu'il y a des vrais gars, comme là ça. Il n'y a que toi, t'es non, le boss. Non, non, t'es le pas, boss. Non, t'es non, le... non, non, je suis pas le boss. Non, non. Non, après, si je commence à mentionner des noms, ça va être une longue liste. Allez, regarde, allez, regarde. Pas, ouais. On est, tu pars. Pour non, tu mets juste, voilà. Là, Captain Tsubasa. Non, non, Paris Cup. Non, la Tsubasa. Alors, hashtag, vas-y, mets le hashtag. Ah, hashtag, tu vois. Ah, j'aime bien, moi, les hashtags. Alors, Tsubasa. Tsubasa. Cup. Paris. Attaché ? Attaché, tout attaché. Allez, voilà. Tu vois. Voilà. Et hashtag Captain Tsubasa Dream Team. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, tu vois. Allez, Captain Tsubasa Dream Team. Il y a la régulation S30, mes frères, n'oubliez pas. S30, s'il vous plaît. C'est tout. Le reste, vous faites freestyle open bar. Dream Team. Allez, j'attends vos. On va commencer le premier match. Quand vous avez votre numéro. JR, tu peux me le dire ? Ouais. Vas-y, je t'écoute. 852. 582. 588. Ok. C'est créé ? Ouais, c'est bon. Eh ben vas-y, je vous rejoins. Quand je suis là, ben, on peut démarrer le. Moi je suis ready, moi. Ouais. Okay, bah, bonne chance. Allez, bonne chance à tous, les gars. You. Good luck. Have some. C'est parti les gars, allez, premier match. Le lien du Twitch. Alors, je l'envoie tout de suite, là, je l'envoie là. Sur qui est Gotei. Ok, donc c'est Humber. Humber, alors Humber est en bleu et non. Moi je suis en rouge. Voilà, Humber est rouge et JR est bleu. Ah, c'est l'inverse alors. Voilà. Ok. Oh, de fou là, il y a. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, JR bleu et Humber rouge. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti avec le Akai War 87, avec le Misaki 87 qui passe face à Roberto. Allez, il a un petit S30 en passe qui fait plaisir. Enfin, malheureusement, Roberto n'a pas de spé défensif. Dream magnifique qui passe sans aucun problème. Avec deux buffs, avec des debuffs, c'est parti. Allez. Il passe pour le Tsubasa Super Dream Fest au rouge face à. Bah, face à Tsubasa Fest au rouge. Ça commence bien, Humber face à Akai. Ouais. T'as pas des vrais joueurs là? C'est qui les têtes de. Les tueurs là? Fit qui là? Allez. Je sais pas. Quelle grosse communauté. Le tueur, c'est qui de ce soir là? Le mec, tu dis. Tu penses qu'il va gagner là? C'est qui là? Mitch, ouais. Bah, Mitch, bah, allez. C'est Mitch. Mitch, alors, ouais, vas-y, bah, mets. Alors, let's go déjà. Fit, let's go. Voilà, on commentarise. On a une frappe. Allez, première frappe. Ah, il a le pass activé, mettre à la surface. Il peut faire très mal. Pas de crit par contre. Pas de crit par contre face au Zino Fest vert. Il a l'avantage de la couleur. Est-ce que ça va passer? Pas de crit. Et ça passe. Et ça passe. Donc, premier but. Premier but pour. Normalement, je crois que c'est JR. C'est ça? Premier but, JR. Donc, JR attaque par la gauche. Ok. Ok, allez, Nero. Nero, il a joué. Bah, il est en train de jouer, Gol. 1-0 pour JR. Allez. Mais il reste beaucoup de temps. Rien n'est terminé. On a vu des retournements de situation. Bah, l'année dernière, lors de la finale avec. La super finale entre Shane et notre ami Monda. Allez, avec le Matsuyama Dream Fest qui a eu un éveil du potentiel très sympa, le même que le Natureza, sauf pour un potentiel pour les Japonais. Allez, Nita qui passe, le tackle qui passe, S5, Nita qui va rentrer dans la surface, il va tirer, tir du faucon AIX normalement, ouais, à 50, pas de crit, pas de crit. Est-ce que ça va être le deuxième but?
On verra si le Hernandez a un crit. Ouais. Ah si, tu, ah si, des fois dans le Discord, ils discutaient avec Mitch. Non, ça ne passera pas. Normalement, ça ne passera pas. Ah, c'est pas sûr, hein. Ah, ça passe quand même. Il y a 2-0. Déjà 2-0 pour JR. Ça commence fort, ça commence très très fort. Malheureusement, le Zino n'a pas l'avantage couleur face à deux rouges très forts. Allez, c'est parti avec le Mizugi qui la passe au Sawada 87 qui est un excellent joueur que je kiffe. Allez, c'est parti. Donc normalement, ça devrait passer. Enfin, je vais mettre les TS, voilà, ce sera mieux comme ça. Faut que j'appuie sur les... pour voir la liste. J'ai du taf ce soir, j'ai du taf. Allez, passe subtil. Ça passe devant tout le monde. S6, crit de gold. Allez, le Roberto qui a un S30 en frappe. Dribble avec un petit duo S1. Allez, le dribble crit, ça passe. Le dribble crit qui passe. Ah, ça commence à me faire des rails chouchous dans là-bas. Regarde bien, c'est mon tir puissant. Allez, le tir du Roberto. Chamik, si tu veux venir me rejoindre, viens. J'attends la mi-temps. J'attends la mi-temps, ok, t'as raison. Allez, le Morizaki Dreamco. On n'a pas trop l'habitude de voir, mais ce qui fait plaisir à voir. Donc là, il a le désavantage couleur. Le crit, normalement, ça devrait rentrer. Crit gold, il n'a pas de crit. Et ça rentre. Voilà, ça rentre. Réduction du score de notre ami Humber. Allez. Les deux joueurs, ils sont très concentrés. Hein. Ça commence fort, ouais. Ça commence bien, ça commence fort, ça commence. C'est propre, c'est propre. Allez, le Matsuyama Dreamco, si je dis pas de bêtises. Allez. Le Misaki qui malheureusement ne profite pas de son passif super sub. C'est un Misaki qui a un passif quand il rentre en deuxième mi-temps, il a un boost de 3-30 ou je sais plus combien de pourcents. Crit Rimbo sur la passe. 35. Ouais. Ce qui est très très fort. Hein. Ce qui est très 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 fort. Allez, dans ça passe, il n'y a pas trop de soucis normalement. Allez, face à Shingo, Gear. Salut Manek. Allez, ouais, putain, pétu la gueule. La Mugi qui prend d'assaut le stream. Ouais, bah écoute, tout est. C'est Vanny qui a pris l'initiative du premier match de stream. Il n'y a pas de problème. Après, on verra les belles affiches. On va essayer de voir. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai le même maillot que l'équipe de JR. Ouais. Face au maillot de l'Argentine. Allez. Le Misaki World Cup 2017 qu'on voit plus du tout. Vert face au Roberto. Allez, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Allez, un gros tac. La Golden Duo qui passe. Malgré le crit argent. Ah oui. Il va falloir jouer Sudam si vous voulez gagner. Manek, il te dit il faut que tu joues Sudam si tu veux gagner. Ah, il te fait un bisou. T'as Nati qui nous dit qu'il va falloir changer le titre du stream. Ah, voilà. Ouais, tu peux le faire. Ouais, ou c'est mort. Je fonce. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ça va. On le fait. Letko, désolé pour tes poules sur le Dreamco. La chance va tourner, t'inquiète. Merci, Pilar. Merci. Mais je suis content. J'ai eu mon gentil et Dreamco. Je suis très content. Là, malheureusement, l'Etan a fait 4 multi et c'était fou. Il a eu 0 CSR le coup. Bisous, Ambi, tiens, tu fais un bisou. Il loue le Galvan, j'avoue. Allez, le Morizaki qui face au Yuga 97 qui n'a pas de crit. Est-ce que ça va suffire pour égaliser? Et ça suffit. Ça suffit. Deux partout, juste avant la mi-temps. Le match est très très chaud, très serré. Humber avait très très mal commencé, il est revenu pile avant la mi-temps. Donc un deuxième match va recommencer. Hein. Voilà, l'arbitre siffle à la deuxième mi-temps.
ça commence bien. 4 buts en une mi-temps, ça commence déjà très très bien, les mecs. Ça commence très très bien. Rivaul va te carry Amber. J'ai acheté 200 Drimo tout à l'heure. J'ai eu Aoi et Galvan. GG, GG les mecs. GG Pilar. La remontada de Amber. Ah bah là pour l'instant, il est en train de le faire. Là. Là, ça parle tactique et tout, ça va changer, peut-être des gardiens, des attaquants, on va voir la couleur. Ok, le Wakabayashi Puncher, Kalifazi qui rentre, le Wakashimazu Dreamfest Bleu qui rentre aussi. Ça change les gardiens, voilà, forcément. L'un des aspects les plus importants du jeu, ça reste quand même les gardiens, quand même. C'est ça qui fait la diff. Ils sont plus à Casagrande que je pensais. Ah, mais c'est lui, Humber! Il ressemble plus à Casagrande que je pensais. Oui, c'est le gars avec les lunettes. Voilà. C'est Manaek. Manaek. Tiens, il est là, tu le vois sur le stream, là, les gars. C'est écran petit, mais. Je sais pas si tu t'entends, mais il va te faire du bien. Il va t'aider des gâteaux. Il va t'aider des gâteaux. Allez, Golden Duo, c'est parti. C'est 40 qui passe entre Misaki et Tsubasa. Avec 5 buffs. Allez, c'est parti. Ça rentre dans la surface, ça fait une petite passe. Ça passe. Et ça intercepte. Le Soda Collège Rouge qui intercepte. Allez, le Shingo qui a. Attendez, hop. Ah, il lui a scellé son tir. Il peut faire un dribble, un, une, deux, une passe. Donc, les passes au dribble. En tout cas, son Ishizaki ressemble à Galvan. Ok, le Tsubasa, allez, c'est parti, ça rentre dans la surface, ça fait une passe sur le côté pour le Misaki qui a peut-être centré, qui centre pour le Yuga, qui peut faire une volée du tigre, sauter ou un amorti, mais je pense qu'avec le passif qui monte à 302, non, ça va être une volée, ça, c'est une passe blanche pour peut-être... épuiser notre ami Soda Collège. Allez, qui relance. Avec la passe Rimbo qui passe. Allez, le Misaki. World Juice 97. Face à Takashi Sawada 97 aussi qui est très très fort en interception. Allez, le full power qui est mis de la part de notre ami Humber, si je dis pas de bêtises. Interception rapide. Ah, eh oui. C'est un monstre. Le Sawada 87, c'est un monstre en interception. Allez, c'est parti. La zone centrale. Et eh oui, il se rapproche de la zone centrale pour avoir son passif. Allez. Donc, il est à S quand même. Il a un tac S30, A50 et un petit tac B4. On va s'afficher un petit peu. Ah, ça va être compliqué. Le dribble. C'est les deux plus gros. La passe. Ah, match nul. Match nul. Allez, l'Unita qui récupère. Avec le beau maillot de la France que notre ami Vanny a eu la bonne idée de mettre ce soir. D'ailleurs, non, très beau, très très beau le maillot. Très simple en plus, j'aime bien. Allez, le Shingo face à Ishizaki. Ça, c'est pour mon idole, Olivier Giroud. C'est ça. D'ailleurs, il a marqué hier en plus. Allez, le Shingo qui n'a pas de crit face à un crit argent S30. Et ça passe, il enlève le Shizaki Dreamfest, lui enlève. Et oui, il est là, le Shizaki Dreamfest, faut pas l'enterrer. Malgré qu'il ne soit pas de la bonne couleur. Évidemment, ça va jouer les persos pétés, c'est bien un gars de la NF, ça. Manaï. Allez, le Tsubasa face au Matsuyama Dreamco. Qui vient monter. Le dribble et les A50 qui est magnifique. Le full power mis pour JR, je crois. Allez, insupportable. Eh oui. Vous rendez compte, un tac qui arrête un 1-2. Vous rendez compte. Voilà, bon, c'est assez, mais il l'arrête quand même. Allez, le Shingo face au Soda 87. Interception A. 1-1 avec un interception S. C'est bon? Premier match. Ouais.
Alors là, c'est ça. Les premiers matchs qui sont terminés. Je veux juste le nom du vainqueur et le score. Totoro, les deux. Qui Totoro, Reddy. Groupe 4. Ah non, dernier, c'est ça. Allez, l'une de qui passe. Le Shingo qui arrive dans la surface face à Wakashimazu. Dreamfest. Ça colle la ligne, ça va frapper. Attention, crit gold, les amis. C'est quoi tes crit gold. Gold bleu. Crit gold. Est-ce que ça va suffire pour percer la défense de notre ami Wakashimazu? Il est en full stam en plus, le Wakashimazu. Donc là, est-ce que ça passe ou pas? Il a l'avantage couleur. Attendez, hop, si je clique, ça serait pas mal. Tu es rasé. Est-ce que le passif va faire la diff? Pas de crit, mais il y a du debuff. Mais ça rentre quand même! Ça rentre quand même! C'est fini. Donc malheureusement, la remontada n'a pas eu lieu. JR a gardé son sang-froid. Et a marqué à la dernière minute. En rendant l'arbitre de Dressifeu dans quelques secondes, malheureusement. Bravo les gars! C'est un match très serré. Franchement, bien joué. Franchement, t'as rien à regretter. Ouais, et bien les premiers résultats, bah c'est le moment où on va commencer à faire tous les résultats des premiers matchs. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde a... J'en ai deux. Alors, différentes. Du coup, J'y a gagné. Voilà, 3-2. Effectivement, 3-2. Lui, c'est Lonlok Zaz. Lonlok Zaz. Contre Akuma. Contre Akuma. C'est quoi le score? 1-0. Lonlok Zaz, J1, Akuma 0. Voilà. Ok, ensuite, pour l'instant, la zone est sale. Est-ce qu'il y a des matchs qui sont finis? Parce que du coup, on peut lancer donc les deux gars qui ont gagné leur première, tu peux la lancer tout de suite. Bah écoute, bah vas-y, viens. Zal, viens. 1-0 pour l'étal. Il faut justifier, regardez. C'est Valère Germain. JR contre l'Olzad, prochain match Donc par contre le prochain match. En fait les deux gars ont gagné quoi. D'accord. Le prochain match ça sera le l'autre poule. Ouais, ça c'est quoi ça poule c'est poule quoi c'est ça c'est poule A toujours. Ah. Et après on passera à la poule B. Tu sais ce qu'on fera? Les deux premiers on les stream pour les deux premiers de la poule B. C'est ça ouais c'est. Voilà. On fera comme ça. C'est l'objectif. On va faire comme ça. Ok, donc en attendant les autres résultats, au moins ça me permet d'enchaîner directement. Ouais, pas de problème. Ouais, c'est bizarre. T'as bon pour être dans cette là. Du coup, c'est où? C'est là. Tu te mets là. Juste, ouais, là. Si. Pour moi. Et bah, nickel. Comment c'est passé pour moi? Bien, pas mal. J'ai gagné 1-0 seulement. Mais, ouais, il y a eu 3-2. 3-2, c'était serré. À la mi-temps, il y avait 2-2. Le Humber, il a vendu chèrement sa peau, le Humber. Moi, c'est serré, parce que le Ken en face. 4,97 et arrêtez. Attends, vu que je suis en scène comme ça. Attends, je vais mettre en scène. Ouais. Comme ça on voit pas le téléphone, juste aller sur Twitter, je vais mais non, on voit pas le téléphone déjà. Ah on voit pas, ok. Ouais, alors là toi t'as affiché ça mais en fait. Oui. D'accord, ok, parfait. Comme ça je retweet le. Voilà. C'est des ouf les mecs. Ok, donc en tout cas, est-ce que vous avez le numéro du match dès maintenant? Pile ou face? En vrai, Faites quoi? Ouais, Pierre Feuille Ciseaux entre deux, hop. Pierre Feuille Ciseaux. Voilà, mais vous, c'est qui compte. C'est lui, c'est lui qui compte. Voilà, pas la peine de faire le conversion. Voilà, en vrai. Que chacun engage. Alors moi je préfère justement. Alors pour répondre à Shingod sur le chat, 4 ouais. poules. Ouais, 4 voilà. poules. Est-ce que tu peux mettre le. Tu penses que. Ouais, je pense qu'ils t'entendent. Est-ce que tu peux au moins mettre le lien du challenge? S'il y en a qui veulent. Si vous voulez voir les poules, Vanny va vous mettre le lien. Il va vous mettre le lien challenge pour voir en direct. Aïe aïe aïe, victoire de Mitch 5-0 face à Commissaire. Hop. Ok. Ouais, on est d'accord. Donc, alors, on disait. Ah, pas comme ça, je marche.
On va commencer, ouais. on va dire là on va danser le on va lancer le deuxième match stream, ouais. Plus la deuxième, alors, deuxième du match. Coup, je vais lancer alors donc alors, Humber, ouais, vas-y, donne-moi le code. Vous jouez l'un contre l'autre. Alors, et donc Mitch et 618, Akuma, ouais. Mitch, il vient de monter 284. Ouais. 284. En plus, t'as le temps pour l'écrire le numéro parce qu'il écrit en haut à droite, tu vois. Il écrit là. Et t'as le temps. Tu sais, quand je vais, par exemple, si t'as pas entendu, t'as en haut à droite. Là, on lance les deuxièmes matchs. Tout le monde a fini son premier match, les gars. Ouais, alors du coup il y a Mitch, fini Akuma, c'est ça. Non, c'est Malo. Ah ok. Alors tous les scores des vrais matchs ont été inscrits pour cette pour la poule. Ah ouais. Pour la poule B, j'attends, y a deux matchs là qui se terminent juste devant. D'accord. On peut lancer quand même bien sûr. Okay. C'est parti. Bon match les gars. Pas de Jojo, 0, et enfin, j'attends le résultat de l'autre. Alors, ok, Bad Jojo, tu as joué contre l'Ethan. L'Ethan. On est de retour, désolé, voilà, bon. C'est les aléas du direct, c'est comme ça, c'est, comment dire, on a des problèmes de PC, etc. De chauffe. Pour une fois, c'est pas le jeu ou mon téléphone ou quoi, tout fonctionnait bien. Salut Loulou, voilà, normalement ça devrait plus couper, je suis désolé. Pour nous faire pardonner, on va vous proposer un super match, Bad Jojo contre Zawa. Pour le troisième match de la poule B, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc un bon match. Voilà. Donc ça sera le prochain match. Je vous lis. Loulou, salut encore une fois. C'est qu'en réalité, c'est l'État des élèves qui ont renversé les vidéos sur les câbles. Merci. Salut Donmar. Non, c'est pas eux. C'est pas eux qui ont versé la binouze et tout. Salut Manek. Désolé les gars, je suis vraiment désolé. Bon, c'est comme ça. Normalement, on touche plus à rien. Comme ça, ça va tourner jusqu'à la fin du stream. Et vaut mieux que ça coupe maintenant que pendant une finale ou une demi-finale ou quoi. Donc c'est mieux. C'est mieux que ça coupe en vrai maintenant. Donc comme ça, on met les derniers réglages, on met les dernières astuces. Comme ça, au moins, on est prêt pour les matchs vraiment très intéressants. Juste avant, on est heureux, ouais. Voilà, alors, je lance les suivants, mais ce sera pas en stream. Alors, Humber, LOL, ZAD. Allez, tu peux. Je me fais terminer, mais tout va bien. Ah ouais. Je joue plus contre des joueurs de ouf. Je me fais terminer. Commissaire Akuma. Alors, le stream, on a dit, c'est Zawa Bad Jojo. Donc, installez-vous, Bad Jojo et Zawa. C'est l'étal. Ok, merci. Ok, vous les gars, pas de prolongation. Pas de prolongation. 90 minutes et si un match nul, bah match nul. Comme dans le générique, hein. De mi-temps et 90 minutes. Voilà. Salut beau gosse, salut Z. C'est Zawa, salut Z. Zed. Ah non, nous Bad Jojo, tu peux t'installer. Nous on est anti-club, nous. On fait tout l'inverse de club. Ce sera l'Ethan. Ah là là là. Badem, ce sera Mano. Il y a du gameplay ou pas? C'est celui qui a le mode d'Algérie, le vert. Voilà. Voilà. Vas-y, ça marche. Ça marche, les gars. Moi, j'attends que Nero termine son match et je vais jouer contre Nero. Akuma, Akuma boit pas trop, il dit Dilux. Dilux. Non, de toute façon, il n'y a pas d'alcool, donc ça risque pas. On va guetter Akuma. Attention, coupure de connaissance, Bad Jojo, il te dit Loulou. Ah bah écoute, on a dit quoi qu'il arrive, Bad Jojo il aura le droit à un petit joker. S'il arrive une déconnexion, bah il recommencera. Voilà. Commissaire, c'est le rebeu à barre. Il est assis d'ailleurs. Tu montes, il est assis. Il avait un pull. De toute façon, tu dis commissaire, il va se laver. C'est étonnant ça. Ouais, et serre. Alors, Zawa il est encore en train de jouer, mais Bad Jojo il est déjà installé. Bien installé, Bad Jojo. Okay. Il attend. Il y a des bons matchs ou pas là, dis-moi tout là. Moi je suis en haut. Il y a eu un petit Ready Shane apparemment. 3-2. Pas mal apparemment. Mais moi je te parle des matchs que vous avez vus ici en bas. Ah, ici. Ah, tu me parles d'un match qui n'a pas été streamé. De toute façon, le deuxième, malheureusement, on a eu les coupures.
Ouais. Le premier était bon. Le premier, c'était JR contre Hambourg. Il y a eu 2-2 à la mi-temps. Donc 4 buts en une mi-temps, ça, j'aime bien. Et c'est JR qui a gagné à 3-2, en plus à la fin, à toute fin. Donc voilà. Dianero que Pierre. Ah oui, d'accord, attends. Hey. On veut pas de problème. Ouais, on veut bon, Nero, on veut passer une bonne soirée. Pierre, c'est son main. On a envie de passer une bonne soirée, Pascal. On va être sympa avec Nero. Là. Voilà. En plus, la poule, elle est tendue. J'ai joué BG. C'est lui qui a gagné la Touba. C'est lui qui a gagné le vainqueur de la Dream. Bilan rapide pour le classement. Donc dans la poule A, Mitch a 6 points. Mitch premier. JR et Elxad, ils ont 4 points. Ils ont fait match nul l'un et l'autre. Okay. Humber, 3 points. Akuma et Commissaire, 0. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, les tendances se confirment avec Mitch qui, pour l'instant, survole là. Mitch confirme. Voilà. Nero FC Nick Zebul aussi. Voilà, donc Mitch, victoire 5-0, victoire 3-1 contre les deux derniers de la poule pour l'instant. Ok. D'accord. Okay. Pour l'instant, Mitch va dire. Les favoris répondent présents. Voilà, c'est ça, faut qu'il faut attendre qu'il joue. Non mais là, non. Je t'explique Vanny, hein. Là c'est, il y a du gros level ce soir, il y a du très gros level. Ah, j'en prends une seconde, je pense qu'il y a plus de level que la première édition. Ouais. Alors moi, voilà, tu peux parler à Randy, tu peux marquer 4-1, s'il te plaît. Toi Manu, tu joues contre, c'est qui, c'est You, c'est You ça Badem Manu. Badem contre Manu et Manu c'est... Il y a des soirées comme ça Manu. Alors, donc, attends. Commissaire, commissaire, tu joues. Alors, juste pour faire les choses dans l'ordre, c'est quoi le score? Tu te manges un Shimbo contre Shimazu DF. Zawa 4. Ok, maintenant, vas-y, Oui, c'est Badjojo Zawa, pardon. Badjojo dit à Mitch de se calmer. Ouais, bah, Mitch, il met des gros scores, il en a rien à foutre. Oula, RNG a fait mal. La RNG is back. Voilà, une belle affiche. Une belle affiche, bad. Nero, c'est le gars qui n'a plus de conf. Ouais, on ne rentre pas dans les, c'est dans les transferts. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est ça. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les confs en ce moment. Du ménage. Ça y est, vous êtes en direct. Ça va être votre match streamé, live, les gars. En live. Il va falloir votre match streamé, les gars. On arrête de croire que je déco. Ah ouais. Si t'inquiète, tu vois, il a récupéré les gens de la mougie. Ouais. Il y a eu beaucoup de Neymar, il y a eu beaucoup de départs. La Mugiwara, Real Madrid. C'était le FC Barcelone, mon frère. Mugiwara, Real Madrid. Pensez, s'il vous plaît, les gars, à partager le live sur Twitter. Retweeter à fond. Encore désolé pour les coupures, les grosses coupures qu'on a eues. Normalement, ça devrait. Voilà, normalement, ça devrait, on devrait plus rien toucher. On ne touche plus à rien. On bouge plus. Non, y a plus NF Dan. Et Mano, c'est celui qui a le jean de. Ah, il a un jean. Il a un jean. Ah. Voilà, je dirais pas de mot. Après, là, tu vas avec lui. Voilà, tu vas avec lui. On veut pas de problème. On veut pas de problème. Mitch. Ah oui, Mitch, 220 millions, ouais. Minimum. Voilà, Mitch, dans 6 mois, il fait une Neymar. Ouais. C'est ça. Alors, ouais. Alors, vas-y, je vous écoute, les gars. Hein? 984. Il est passé, commissaire, je l'ai vu. Il était là. 191. Il était là. Il est pas là. Commissaire, il est où? Je l'ai vu passer. Ouais, il était là. Moi, j'attends Nero pour attendez, jouer. Attendez juste un petit instant, les gars. C'est bon. Allez. Dédicace à Zawa de Zbaria. Zbaria qui fait dédicace. Merci, Z. Voilà. Je vais essayer de gagner pour toi. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez voir le match, les gars, vous avez le numéro du match. C'est bon, c'est passé. Tu peux changer la scène, s'il te plaît, petit Vanny. Pardon. La scène, s'il te plaît. C'est toi déjà. Ah, d'accord, ok. Ah, non, c'est bon, si tu me dis qu'il voit le match, c'est bon. Ah ouais, Santana, là. Ah oui. On va voir le Santana, on va voir ce qu'il voit en live. Voilà. Le Santana qui a eu son niveau du potentiel. Est-ce que tu l'as terminé? Bien sûr, c'est de l'ami. Voilà. Ah, c'est lui? C'est toi qui l'as? Ah, mais c'est de l'ami, c'est qu'il est chaud. Dopé, ah d'accord. Écoute, bah, Jojo, fais-nous rêver, stop. Voilà. C'est Akuma. Akuma, tu l'as trouvé? Il est là. Akuma. Voilà. Allez, les gars, enfin du Sud-Am, Kuteg. Allez, il est trop vieux maintenant. Ouais. Allez, c'est parti.
Allez, le Tsubasa qui a le ballon, le Tsubasa. Il est encore là, ce Tsubasa. Ah, il est toujours là. Il est encore viable. Hein. Ah, mais c'est ça, le côté Zawa, c'est le côté romantique. Il ne peut pas lâcher un joueur comme ça, tu vois. Il garde toujours ses Santana des années... Ouais, t'as raison. Vas-y, vas-y, fais-le. Donc l'aspect, elle a été bloquée. Bon, l'aspect bloqué, de toute façon, défensivement, c'est pas ça qui va... Par contre, l'interception IX, elle peut faire mal. On va voir si ça va... S21, ah oui. S21, deux buff. Attends. Non, ça passe. Ça passe quand même. Sympa le petit maillot, là, de Dumont. Allez. Ouh là là, direct. Et voilà. Le Ishizaki Dreamco qui est l'interception automatique. Mais oui, Zawa, c'est allez, pas aussi simple. Le Badjudo qui a le ballon, qui la passe tout de suite à... J'ai pas réussi à voir la bulle. Le Misaki World Cup 2018 qui a le ballon face à Mizugi. Est-ce qu'il lui a scellé? Non, il lui a pas scellé une TS. On voit que les SP elles sont bien montées. Hein. Bien montées, exactement. S1 en tacle. Oh, il a deviné. Oh, l'expérience. Ah. Ça brain les gars, ça a brainé. Zawa l'expérience. Zawa il représente le peuple, vive les free to play. La part de Touteg, c'est Touteg. Doucement Zawa, bah, Jojo il est gentil, Zawa. Allez. Le Yuga World Cup 2018 rouge S30 avec le tir fougueux, le dribble et la passe. Contre le Akai. Non mais lui il le voit, je crois. Ah, mais c'est bien le match, parfait, merci. Allez, la passe du tigre, elle va passer quand même malgré le. Non, mais je... Il y a la double là, mais voilà, c'est ça. Le Jito, le petit Jito Dreamfest. Avec le, avec le S30. Avec son petit ventre. Avec 5 buffs pour faire la diff. Allez, la passe, est-ce que ça va passer? Eh non. Ah non, c'est fini ce... Le Akai World 97 qui est très très fort. Très très fort, je kiffe ce joueur. Ah, un petit misclick de notre ami Zawa, malheureusement. Mais là, on sait que le Akai, il a l'avantage. On n'a pas les stats. Ah oui, c'est vrai, que... le Akai a un avantage face plus 50%, au Shibu. Plus 50%. Ah oui, attention. Le Akai, le tueur de... Je crois que le Levin. Oui. De Levin aussi. Levin, je crois. Ah oui, ouais. Levin, oulala, il a le full power en plus. Et en plus, il a le full power. Le full power de Badjojo. C'est ça, Badjojo, je crois. Non, c'est Zawa, France. D'accord. Et Badjojo, il a le full power. C'est le UFC Dream. Attention. Dream Championships. Pas de crit. Là, c'est bien le crit. Attention. Bon, normalement, il a son passif cœur de Jap, le Wakashima du Dreamfest, il est loin. Il a l'avantage couleur, normalement, ça devrait être arrêté. Ça devrait arrêter. Il a tout bien monté, à part le saut. Comme un bon élève. Exactement. Bon, ça, on verra bien ce qui va se passer. On a toujours des surprises dans ce jeu. Hein. Et ça passe pas. Super coup de poing, notre ami Wakashima du. Balle pour Bad Jojo, il reste, on va dire, 10 minutes, à peu près, 15 minutes. Allez, le Tsubasa. Ce Matsuyama, il est magnifique. Ah, le Matsuyama Dreamco qui fait mal. Ah, il est complètement dopé. Tac interception. Qu'est-ce que va faire notre ami Tsubasa? Il a une Golden Duo à 50 qui peut peut-être faire l'affaire. Peut-être. En tout cas, en termes de couleur, c'est l'égalité. Ouais, le tir. Ouais, la jeu l'assurance. Tir spé distance. Pourquoi pas. Là, peut-être c'était la meilleure chose à faire. Malgré qu'il en plus, il a l'avantage de couleur, en tout cas. Prochaine fois, j'essaierai d'être là avec ma Meta Club. Bah écoute, t'es le bienvenu, Loulou. T'es le bienvenu. Loulou, réserve tout de suite. Oui, non, c'est un format no limite, mais sauf au niveau des SP. Par contre, au niveau puissance, on a laissé tout, ouais, tout tranquille. Voilà. Nombre de Dreamfest, ce que vous voulez. Donc, oh, il l'arrête. Oh, il l'arrête, le Waka. C'est le Waka Kalifazi. Il va le punch. Non, ouais, c'est ça, Kalifazi. Et ça va tomber sur qui? Ça retombe sur le Santana vert. Bégito, des bisous, nous le aussi, des gros bisous. Santana vert, hop. Bégito, Psarte, Konaturezza. Intensité de la thèse de tir plus 30, c'est ça? Oh oui, oui. On va voir tout de suite ce qu'il a dans les jambes, le Santana. Tout de suite maintenant, le Santana vert. Je vais te prouver que je suis un joueur de foot exceptionnel. Crit
argent. En plus, c'est le tir de l'autre Santana, le Flamengo. Flamengo. Ouh, 437. Malgré tout, mais par contre, 472. Donc, normalement, il devrait l'arrêter. Il a la couleur. Double crit, argent. Attention. Ouais, il arrête. Oh là, il est incroyable ce Waka. Allez, récupération de notre ami Zawa avec le Misaki. Il y a vraiment une tendance à avoir des gardiens punchers. La passe. Grimbo qui passe propre. Le Santana. Oula. Qui a. Le tir a été scellé, donc il peut faire soit une passe ou un. Ah, un deuxième tir. Deuxième tir qu'il a mis. Non, là, c'est son premier tir. Regarde, il a 445 intensité. Un match à faire, toi, au cas où. Là, ouais. Là, non, ouais, je vais y aller là. Un match test. T'as dit, je fais des recherches. Je vais jouer à ta place, c'est le match. Vas-y. Ouais, faut pas prendre de retard, hein, les gars. Ah ouais. Bien commenté, bien. Allez, viens. Bah bref, s'il faut qu'il s'occupe des matchs en haut. Oh, interaction. Match interrompu, les gars. Alors. Ah, attendez, c'était quoi le score? Il y avait 0-0. On était quoi? On était quasiment à la mi-temps. Eh ben, c'est normalement, on doit refaire le match. Je sais pas, refaire son match. Non, normalement. On refaire dans la mi-temps parce que. Normalement, dans le jeu maintenant, ils ont fait une fonctionnalité. Je sais pas si elle est encore. Non. Vous savez comment on peut faire ou pas? Bah il faut qu'on bah là il y a eu 0-0, on relance le match. Hein. On relance le match. Allez, on redémarre les gars. Donc on relance tout le match du coup. Oh là là. Eh Loulou il l'avait dit. Ah bah Jojo je te l'avais dit. La loose. Ouais, Loulou arrête. Tu prends les scores donc Béné contre Béné. Je l'ai pas fait. On a tout genre ce soir. On a tout ce soir. On a tout ce soir. C'est que ce soit nous, les autres. C'est. On a tout ce soir. C'est ça qui fait le charme donc, aussi. Tu m'as dit Béné contre Jack. Bah, Jojo, il est body. Ouais, bah, écoute. Jack, il gagne 3. Voilà, bon, là, heureusement, il y avait 0-0 et il n'y a pas de problème de temps. Je peux avoir le. Ah oui, d'accord. Il y a lancé le match. Tu peux bien, c'est comme pour l'attente. Ouais, et donc, relancer le jeu. Je te dis ça de suite. Qui c'est qui avait host? C'est toi, Zabra, qui avait host? Toi qui host? Ok, l'abandon a été du côté de Badjojo. De quoi c'est Badjojo? Incroyable, incroyable. Tu veux me mettre à côté de la wifi là? Elle est là, elle est là la wifi. Elle est juste là. Elle est juste là. Tu joues contre Totoro. Ça il est encore. Quoi? Encore. Attends, pour être sûr, parce que. En sûr, il abandonne. Ça a sauvé Zawa, d'accord. Aussi apparemment, c'est qui est Loulou, il a dit. Non, c'est Z, il t'a dit quoi. Ça a sauvé Zawa. Oh le chat. Oui. De leur côté, ça a sauvé, mais c'était la deuxième mi-temps et il y avait 1-0. Est-ce qu'ils font une mi-temps et ils gardent l'écart d'un 0. Non, c'est rien à dire. Il y a deux super subs, ils n'ont pas le passif, on n'aura pas les cartes. Le match. Pour le match. Non mais je veux dire, faut qu'on discute pour si ça arrive. Bah, je dis, il y a la JE, ouais. Ils avaient dit si tu mets en deuxième mi-temps, on garde le score, t'es plié, tant pis. Bah mais à 0 hein. Ouais, mais à 0 pour les autres. Bah, merci de ton fair play, Humber. Merci de ton fair play. Humber MVP. Ouais, c'est bon, je pour la déco. Merci de ton fair play. Attends, si je m'en fais sur le terme, je le permets. Si je déco encore 2,84 avec Torfandar 5,5. 2,84 5,5. Ah ouais, du coup il a pas eu la faute au carton de Vas-y Zawa, démonte-le, il a dit Z. J'avoue, Loulou, Santana, je suis là. Bon voilà, désolé les amis, quand c'est pas le matos, bah c'est lui. On a eu d'argent. Sur la première, on a eu d'argent, on n'a pas eu de coup. On n'a pas eu de déco. C'est comme ça. Ah mais bah Jojo, faut pas jouer contre lui. Il a le passif déconnexion. T'es chez Bouygues, là ? Non, il y avait 0-0, tu peux pas... Il y avait de belles occasions pour ça. Avec la touche de tout à l'heure, là, je pensais perdre. Et j'ai gagné 4-1, tu vois. Tiens, il faut mais non, ça veut pas s'enregistrer, j'ai pas voulu. Donne-lui ce score. Donne-lui le score, Vanny, moi ici ça marche pas. Ah, Banné et Jay. Ouais, Jay l'a gagné 3-1. Il
vous pouvez lancer les gars. J'achète un nouveau téléphone, hein. Eh, Chain a perdu. Chain a perdu. Non. Qui a gagné? Chain a perdu contre Toro. Oui, mais là, c'est pas le même match, là. Ah, d'accord, ok. Et t'as Jay contre Bennett. Là, je... Match ouais, aussi. Bennett. Mais non, ça marche pas. Quand j'ai fait, ça veut pas. Jay, non, ouais, Jay contre Bennett. Jay, 3-1. Ok, 3-1. Bah, allez, c'est reparti. Allez, Rash, Rash B42 qui dit go Zawa. Merci Rash. Voilà, Rash, il est ouais, là. Ouais, Rash, dédicace à tous les frères incarcérés. Jay Guitar, la famille. Ouais, pour ouais. Dieu. Les rayures, ça passe bon sur la vidéo. De quoi tu parles? Ah, parce que nous, ils ont pas la même écran que nous. En fait. Et pourquoi ils parlent de rayures? Ah, sûrement. Parce que tu entends la marinière. Désolé, désolé. Allez, le Mizugi potentiel. Jay, c'est de l'eau. Shivan, il a dit. Eh, par contre, c'est bon, une canette de coca bien fraîche. Oh là là. Bah vas-y, toi, okay. Tu fais un deux. Pour faire simple. Oui. Si on a une déco en première mi-temps, on rejoue. S'il y a une déco en deuxième, on arrête là, on prend le résultat. Si y a un score, ouais. C'est un score. Et s'il y a 0-0, on fait quoi? On relance une mi-temps? Imagine, il y a 0-0 à la deuxième mi-temps. On relance une mi-temps. Bah là, sur un match comme ça de groupe, non? Ça reste match nul. C'est vrai que donc on garde le résultat, le 0-0. Voilà. Ouais. On garde le résultat. Okay. Sur un match à élimination directe. Oui, sur un match à élimination directe, bien sûr. On relance le match, on se casse pas la tête. Bien sûr, voilà. Là-dessus, il y a. Ah, mais du coup, ça, pour que tu peux parler. Mitch, c'est la plus belle calvitie que j'ai jamais vue. Ouais, Mitch. Mitch, il n'y a pas de calvitie. Peut-être qu'il confond avec l'Ethan. Ah ouais. Mitch n'a pas de calvitie. Hein. Donne Marcolino, Zawa, ouais. Oui, Zawa joue avec son compte jab, normalement. T'as les confrères de la Fofo qui te soutiennent, Zawa. Voilà. Merci. Allez, premier tir de notre ami Roberto. Je crois que c'est Zawa qui c'est tire. Zawa qui tire. D'accord. Zawa qui est bleu et Badjo qui est rouge. Mais non, moi je suis rouge. Non, t'es bleu. FC Dream, c'est bleu, c'est toi. Je connais ta team. Allez, le tir. Qui? Aya, Zawa, Karim, Jay Guitar, t'as dit change de casquette. Flash. Allez, récupération de notre ami Badjo avec le Akai. Allez, ça fait des belles passes. Avec notre ami Yuga. Dreamfest qui a scellé deux TS. Ah ouais, carrément. Il veut faire qu'une passe ou un tir. Donc je pense qu'on peut deviner qu'il va faire un tir. Je pense. On ne sait pas. En plus, t'as le Ishizaki. En plus, t'as le Ishizaki World Cup 2018. Donc, non. C'est le tir. Donc c'est bien. Tir. C'est bien. C'est bien. J'ai bien deviné. J'ai bien deviné. Allez, pas de crit par contre. 5 buffs. Oh, il a repoussé. C'est un S15 qui repousse. Et c'est récupéré de la part de. Encore notre ami Badjoulou avec le Shingo Kalifazi. Ça passe face au Matsuyama Rimko. Attention, le. Tu vois ça, Dreamfest, crit argent, S30, 5 buffs. Allez. Face au. Puncher Wakabayashi, pardon, Kalifazi aussi. Aïe, c'est but. Ça y est. Tout le talent et son jardin. Magnifique spé. Il avait le crit argent, l'autre n'avait aucun crit. 1-0 pour Badjojo. Voilà. À ouverture du score de Badjojo. À la 24e minute. On va voir comment Zawa va réagir. Est-ce qu'il va. Péter les plombs ou pas? Non, c'est un joueur calme, Zawa. Ah. Là, il fait exprès, mais c'est un joueur calme. C'est un joueur calme. Il va pouvoir se reprendre. Aïe, 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 hashtag Dora, loulou. Hashtag Dora, aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, parlez bien de la meuf de Khalil. Non. On est 40 aujourd'hui. On est 40 dans l'œuf. Merci à vous, les gars. Pensez à partager le stream. Important. Là, je pose blanc, là, je pose blanc. Il va déco. Genre là tout de suite. Allez. Ouais. Le Roberto de Badjojo. Eh ouais, Menek, c'est la meuf de Mitch, elle a kiffé sur Mitch. La déco, c'est déjà fait. Ouais. Ils se sont reconnectés le match. Alors, Mitch Chamber, Akuma, JR et Lonsan de commissaire. Allez, le Roberto face à 3 joueurs. Miyaki Dreamfest, Matsuyama Dreamco et puis ce Shingir. Est-ce que ça va passer?
Donc il fait le tir. Crit, de toute façon, il pouvait faire que ça, sinon il avait. Il n'y avait pas beaucoup de choix, malheureusement. En plus, ça va, t'es pas trop loin des cages, donc. À tenter. Ah, yeah, ça spam shoot, ça spam shoot. Ah, ya. Yeah. T'imagines s'il avait arrêté avec l'interception ? Bah, t'es chaud, hein. Allez. Hop. J'ai oublié de cliquer. Ouh, crit gold. Non, ça devrait stop. Ça devrait stop. Le crit gold, le crit gold. Ah, ils font chier, là, Fofo. Ah oui, tiens. Oui, alors les résultats, messieurs. 2-2. C'est Rédi contre Zélien. Parce que là, vous m'annoncez le bim d'un coup. Ah, Zel. Rédi et Zel. Ok, 2-2. 2-2. Merci. Voilà. Okay. Et là, nous, sur le stream, il y a notre tour, c'est quoi? Je pense que oui. Il y aura notre tour. Bah, c'est les coachs amis de la Mougi. Ça shoot du milieu de terrain, je vais déconnecter du live d'Igor. Non, Dieguitor. Eh, Melek, t'es insolent. Non, non, ça se passe, shoot pas, non, c'est propre. Après, il y a un moment, t'es obligé de tirer, sinon tu vas te prendre le ballon. Donc, allez, le ORN qui va sceller le tir de la feuille de mort de voletante, mais il a un autre tir, le Skywing Twin Shoot, qui monte à 445 d'intensité, ce qui est énorme. Bah c'est grâce au passif là, exactement. Sur l'intensité, plus elle stamina, plus le coup est puissant. Et comme il est full le stam, bah, elle est full intensité. Crit argent contre crit argent, normalement ça va, ça devrait passer. 2-1 pour Kira. Kira contre. C'est... Ouais, c'est Letko qui a Senaldo. Quoi qu'à... Non, je l'ai pas Senaldo. Allez, le Eran qui saute. Attention, le. Pas de passif pour Wakashimazu, Dreamfest. Ouais, bon, il a quand même, il a quand même le. Allez, normalement c'est but. Non, il n'y a pas but. Il arrête. Il arrête, mais corner. Corner pour Zawa. Ouais, ils ont dû recommencer. D'accord. Voilà, 3-2. Il en profite, Nero, il n'est pas là pour le calmer. Si, il est là, Nero. Mais il est là-haut. Il est là-haut, Nero. Donc, Mano Botserina. 3-2 pour Mano. Contre Baden. Baden, c'est Baden. Ok. Garde ton pseudo, Nero. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Zawa ? On se retrouve facilement. Il joue le corner en deux temps. Oula, ça scelle des. Ah, oula, ça scelle là. Ça scelle plein de space. C'est un duel de scellement. Contre, bah je pense que ça va partir en passe. Hein. Ou peut-être. Non, un dribble c'est risqué. Dribble, c'est risqué, ouais, j'aurais fait une passe. Ouh, le crit Rimbo qui oh fait là mal. Là. Et il passe le crit Rimbo. Eh oui. Un bas de Jojo. Magnifique qui est, d'ailleurs, magnifique. Qui est gâté par Madame RNG. Attention. Hein. Mi-temps. 1-0 pour notre ami Bajojo. Mais rien n'est terminé. Rien n'est terminé. On rien a pu terminé. Voir que Zawa, il s'est pas laissé faire. Voilà, on a vu des beaux il matchs. Il a eu des occasions. Tout à l'heure, il y avait un 2-2 à la mi-temps. Loulou qui lui met du sel. Et voilà, Santana qui est pas. Ouais, il ne peut pas marquer pied carré. Oh là là. Des épaules. Toi, comme téléphone que toi, comme ça. Et suite. Ah bah ouais. C'est pas foutu. Ça va, je suis. C'est clair. Il est encore fluide. Rach qui dit Gogo Zawa, on est tous derrière toi. T'as tout un de Rach. De Rach. T'as des guitares qui disent Zawa, tire de partout, frère. Et t'as Alasco qui dit cette shot, bah Jojo. Alasco. Il dit que t'as beaucoup de. Ah bah oui, hein, tu veux que j'écarte mon petit. Que des crits apparemment, Babelo. Que des crits. Ah bah. Allez, c'est parti. Engagement de Bajojo. Avec Mizaki. Le Matsuyama. Qui, je crois qu'il a fait rentrer. Donc il me semble. Il, hein. Ouais, il me semble que je crois que j'ai pas vu en la mi-temps. Donc il aura son passif super sub. Voilà. Ah, il est bien monté le Mizaki. Hein.
C'est un dribble, ouais. Bien, il la brain. Il la brain. Bien joué. Le tac splendide. Misaki Dreamfest que Zawa a eu récemment, bien sûr. Et qui cherchait depuis très longtemps. Voilà, ouais. D'ailleurs, que je cherche moi aussi, d'ailleurs. Entre parenthèses. Bah, je les souhaite à tous ceux, tous les frérots qui ne l'ont pas. Je vous le souhaite. Tous les frérots incarcérés. Tous les frérots incarcérés depuis hier soir. Voilà. Allez. Notre ami Santana. Rouge face au Ishideki Drinko. Ah, c'est bien monté. Hein. Néo, contre toi ? Ah, t'es vraiment en mode entraînement, toi, t'es en mode de jouer en. 1-0, ça va ? Bah, ça va alors. C'est libre alors ? Ça se passe bien ? Hein, contre Biji ? J'ai perdu 2-1 contre Kira. Ça va, j'ai gagné 4-0 contre. Waskei. 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 De toute façon, ils vont le voir avec le challenge. Ils vont le dire avec le challenge. Ouais, bah les matchs à suivre, c'est Nano Sebo, Biji, Waskei et Kiranero. Allez, super golden trio pour sélection japonaise. Pour avancer. Allez, le Shingir de Zawa. Est-ce que ça va être l'égalisation ? Pas de crit, malheureusement. Toujours pas de crit pour lui, pour l'aider. En bicyclette, est-ce que notre ami Bajolo va avoir un crit ou pas pour sauver? Je crois pas qu'il y a eu de crit, peut-être que si, enfin, pas de crit, mais bon, ça passe pas. Encore un arrêt magnifique, ça revient sur Roberto. Il va pouvoir frapper, il rentre bien dans la surface, bien dans l'axe. Est-ce qu'il y a un crit? Toujours pas de crit. Même pas le bonus Tsubasa, rien. Normalement, non, ça devrait pas de passif. Bon, par contre, il aura pas son passif parce que c'est face au joueur Jap. Donc, pas de passif pour le Wakashimazu. Est-ce que ça passe ou pas? Non. Alors, toujours rien. Il y a trop de joueurs. Allez, corner. Encore une occasion pour notre ami Zawa de encore d'attaquer. En tant que Jojo est harcelé. Hein. Harcelé, mais bon, ça tient. Ça tient. 60e minute et ça attaque. Hein. Ça attaque fort. Le Zawa attaque fort. Ah, s'il veut revenir au score, là, il a rien. Ouais, free to play, du crit, le jeu te punit parce que tu leur as pas donné des sous. c'est Loulou qui dit ça. Allez, Mizugi vers World Youth. C'est le passe à lui-même qui est rentré dans la surface. Ça joue toujours. Aucune spé défensive. Ouais, il a plus de stam. Jito pour l'instant. Ouais, mais peut-être qu'il va mettre de full power. Ouais. Exactement. Peut-être qu'il y a le full power. Normalement, on ne peut pas entendre si c'est un full power qui est là ou pas. D'ailleurs, ça serait bien qu'un jeu. On va passer la barre des 50. Ouais, 50. Barre 50 spectateurs. Ah, pas mal. Big up à tout le monde sur le stream. Big up à vous, les gars. Et encore, c'est que les matchs de pouce, les super matchs vont arriver après. Même si c'est une belle rencontre, Bajojo Zawa, c'est une belle rencontre. Là, juste Zawa qui joue en arrière. Ok. Ah, il va faire le tir de l'aigle. Il va d'accord. Essayer le S1. Je crois qu'il y a un potentiel qui donne un boost. Je sais pas du tout. Le contre automatique. Le contre automatique du. Ishizaki Grimco qui fait chier. Voilà, faut dire les choses, peut-être qu'il fait chier. Allez, la frappe du Santana pour sortir un petit peu de l'harcèlement que notre ami Zawa met à Bajojo. Non, ça passe au-dessus de la tête de Akai 97. Face au Wakashimazu rouge. Par contre, 31 minutes de jeu, toujours personne en full power. Ouais. Je gombromba. La chatte à Dédé. Le full power mi de notre ami Zawa. Voilà. Il va essayer d'arrêter ce tir. Crit. Argent, normalement, ça devrait l'enlever. Hein. Voilà, ça devrait l'enlever. C'est dégagé. Ouais. En tout cas, ça revient, hein. Et ça revient encore sur les pieds de Bajojo. C'est un Bajojo de harceler. Et sa punch. Et
Allez, ça revient sur notre ami Zawa. Dernière attaque, je... Non, 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 ça va, il reste encore un tout petit peu de temps, mais il va falloir se grouiller. Plus de stamp pour notre ami Jito. Il peut faire un petit tac puissant. Qu'est-ce que va nous faire, qu'est-ce que nous réserve Zawa? Le petit une de New Ready Football qui est assez joli. Pour se rapprocher se le plus possible. Il va se retrouver devant le goal. Devant le goal, qui a assez pris, qui a assez pris masse frappe. Mais bon, vu que Badger est en full power aussi, du coup... Ça va se jouer à coup de crit maintenant. Ah, là, ça, ça va se jouer à coup d'RNG, les gars. À coup d'RNG. Crit gold. Crit gold. Crit gold. Attendons, attention, attendons de voir le crit de Badjojo. Voilà. Est-ce que la roue tourne à tourner pour le la crit? La puissance du free to play. Alors. Attention. Est-ce que ça va être légalisation juste avant la fin du match? Ah, il peut encore mettre encore, ouais. Ouais, Rache, on sait pas. Le crit Rimbo. Oh là 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 là. Le incroyable crit Rimbo. Mais attention, il y a eu des surprises dans ce jeu. Attention. Là, là, là. Le crit Rimbo qui fait mal. Plus le crit. Ça revient sur Majo qui a force de dégager avec son Matsuyama. Interception. 87. Même pas. Même pas. Aïe 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 aïe. 40. Ça sent mauvais pour Zawa, malheureusement. Il reste 3 minutes. Voilà, hop. Malheureusement, ça va sentir. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que Zawa n'a pas de comment dire, n'a pas de regret à avoir. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a harcelé. Au bout d'un moment, quand le jeu veut pas te récompenser, bah tu peux rien faire. Malheureusement, voilà. Allez, l'une dernière action. Le match de Madrid. Je pense qu'il va tenter le shoot là. De toute façon, on lui en voudra pas. Hein. On lui en voudra pas. Ça joue la win, hein. Forcément, ça joue la win. Crit argent. Et voilà. Zawa, pas de meuf, pas de chat. Digitor. Digitor. Enfin, ça joue à rien. Ce match, franchement, bon match. Hein. Très serré. Très, très, très serré. Ça s'est vraiment joué à rien. Crit Rimbo. Et Rimbo. Et malheureusement. Sur Ishizaki et la vie difficile à la main du match. Bravo les gars, bravo, franchement c'était serré. C'était serré, c'était très serré. T'as bien joué Zawa, franchement t'as bien joué, t'as fait ce qu'il fallait faire. T'as fait ce que j'aurais fait moi aussi, je pense que voilà. Du coup, prochain match qu'on diffuse, c'est Letan contre Yu Santana. Voilà, installez-vous les gars. Letan, Yu Santana sur les fauteuils. Sur les ah, vous avez joué déjà ah, ce match est terminé, hein, voilà, je viens d'avoir le résultat. Ok, il nous reste. Alors, donc, du coup, on a Letan Zawa, on a Badjojo Badem et on a Mano Santana. Okay. Et bah, Mano Santana. Je pense que ça va être. Mano Santana. Letan Zawa, je pense, pour la deuxième place. Et bah, allons-y. Là, pour l'instant, la première place, et ben. Bisous à Cham, le frérot, Digitor. Bisous Karim, la famille, on est ensemble. Alors, Letan, il est à 3 victoires. Zawa, t'es à 2 victoires. Badjojo, 1. Letan, 2. Ouais, bah, Zawa, Letan pour la deuxième. Bah, Vanny, tu sais quoi, au pire, on demande au chat qui veut voir. Bah, il y a 3 matchs. Bah, alors, le chat. C'est ça qu'on va faire, Letan. Ouais, mais c'est pour ça que je. Ouais, Chamix, y a Ben. Bah, fais-lui un gros coucou, un bisou. Bon, les gars. C'est quoi le. Attends, je vais vous dire c'est quoi les matchs. Donc là, le match que vous pouvez avoir, c'est Baden Letan. Non, j'ai la merde. Letan Zawa, Badjojo Badem, Mano Santano. On va demander, on demande au chat. On veut voir Nero. Au chat. Mais c'est pas le chat, dites-nous ce que vous voulez. Alors, Letan Zawa, Badjojo Badem, Mano Yu Santana. Allez, vous. C'est la même chose. Alors, donc, Mano Santano. Ouais, Mano Santano, exactement. C'est ma langue à fourcher. Victoire de. Un bon match, hein, franchement. Zawa. Zawa Badjojo. Badjojo. Attends, en vrai, Letan Zawa. Ouais. Letan contre Zawa, les deux sont encore premiers malgré la défaite de Zawa. Ouais, ouais. Ah, du coup, il a perdu combien? 1-0, c'était très serré. Hein. Bon, ouais, bah, on va partir sur Letan Zawa finalement, je pense. Hein. Bah, vas-y. Letan Zawa, messieurs. Reviens ici. Ah ouais? Bah, je vais aller l'appeler en même temps, moi-même, je vais prendre une. Moi aussi, s'il te plaît. S'il te plaît.
comme toi, le Dr Pepper, s'il te plaît. Merci. Ah, des matchs très, très serrés. Hein. Déjà, le premier match, JR contre Humber, match très serré. 2-2 à la mi-temps, déjà, pour commencer. Là, voilà, rédemption contre l'étal. Je pense que ça peut être un bon match, hein, franchement, deux youtubeurs. Oui. Los Gringos contre la Fofo. Voilà, quel charisme ce chat, Manaek. Arrête de me brancher, cousin. Il est là le plus charismatique. Regarde, hey, 5 étoiles. 5 étoiles. Plus l'Edco, c'est le Brésil, frère. Et plus la Turetza, je sais pas. On va essayer, hein. La Turetza. Voilà. Allez. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Bon les gars, sinon vous en pensez quoi là du tournoi jusqu'à présent? C'est quel moment vous retenez là? Alors c'est quoi ton... C'est quel groupe? Groupe D. Le D. Contre qui là Totoro? T'as gagné? 1-0. Alors j'espère que ça va passer parce que moi ça ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Merci beaucoup. Merci. Vanny, tu peux enregistrer un score, s'il te plaît? Ouais, je crois. Dans le groupe D. Bene Totoro, il y a eu 1-0 pour Totoro, s'il te plaît. Alors, grosse orgame, mais le commentateur, il fait pas assez de métaphores beauf avec l'accent du sud, je comprends pas. Je gombrumba. Donc, 1-0 pour Totoro contre Bene. Exactement, Vanny, s'il te plaît. Merci. Franchement, bien le tournoi, merci, Rach. On retiendra les box, il va, mais avec vous, excuse-nous. Bah, hein. C'est les aléas du direct, hein. Les alliages directs, pourtant, l'Edco il est venu plusieurs fois dans la semaine pour anticiper justement ce genre de bug. Et alors, non, des fois, tu sais, le mec tout c'est comme ça. Tu peux pas. Ouais, voilà. Tu peux tout anticiper. Même des trucs de professionnels, des fois, t'as des coupures de courant, de je sais pas quoi, ça peut arriver. Ça peut... Tout peut arriver. Ouais, bah, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. De toute façon. Bah écoute, merci Pilar. Merci. Voilà. Je pense qu'on aura une entrée dans 6 mois. On va se refaire tous les 6 mois peut-être. On va essayer. On va voir comment si le jeu va évoluer aussi surtout. Est-ce que dans 6 mois toi tu vas encore y jouer? Voilà. Est-ce que nous on va encore y jouer? Est-ce que Super Dream Fest va être intéressant? Est-ce que l'anniversaire de Glow va être intéressant? Est-ce que Live va être encore là? Pardon, c'est mon téléphone, pardon. Désolé, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé pour le souci de son. Déco? C'était quoi le score? Bah recommencer les gars. Ah non, recommencer. Recommencer. Bon, ça va. C'est bon, il est là et c'est simple. Moi si, alors si l'Ethan gagne ce match, il est au moins dans le top 1. Mathématiquement, tu vois. Ok. C'est... Donc du coup, installez-vous messieurs. C'est qui? Ouais, j'ai bugué. Ça c'est Mitch. Ça c'est Mitch. Je vais venir, mais c'est juste qu'en fait, comme il est en bleu et que moi aussi, et que je regardais. Voilà, il est là. Il y a moins de cheveux que ça. Ça y est, il est arrivé. Et il est là, la star internationale. Salut la team. Allez, installez-vous les messieurs. L'Edco, la multi sur 0 en live. Pas maintenant. Bah d'ailleurs, en parlant de multi sur 0, j'ai pas eu la dernière multi offerte d'hier. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu. C'est à la gueule, c'est à la gueule qu'ils ont fait multi. Je sais pas. C'est pas la bonne version, ça peut On accepte. C'est une APK modifiée. On accepte maintenant tout le monde. Tout le monde. Bah écoute Atlus, on essaye de prévenir assez tôt quand il y a des tournois. Après bien sûr on prévient tôt dans la mesure du possible. Mais voilà, on essaye vraiment de faire ça le week-end. Ah c'est généralement le samedi. Après ouais, après les vacances scolaires on évite parce que bon. Messieurs, est-ce que vous avez le numéro? On a des enfants. Tout le monde a des enfants et tout le monde truc. Voilà Miss qui fait un petit coucou, un petit big up. Ça faisait un peu peur. J'ai pas eu la dernière multi non plus. Ah bah oui, bah mon frère il l'a eu. Juste, Mitch, à 22 ans. Alors,
304. 304. 304 082. Ouais, merci. 082. Du coup, t'as dû faire les trans. Il y a Don Marcolino qui dit qu'il va falloir rappeler à l'Ethan sur quel verso il a commencé l'Ethan. Ah oui, mais c'est en avec le même t-shirt. L'Ethan, c'est pour toi ce message. Dis donc, il va falloir rappeler à l'Ethan sur quelle version il a commencé. Ah, il a commencé en version Mangap. Il est déjà bourré, Mitch Chivan. Non, non, il va très bien. Bah regarde, il te dit, t'as un message. Je vois rien, mais je suis pas... Ah, c'est chaud, hein. Ah, je l'ai dit, pour sa coupe, ça allait être chaud, hein. C'est du beau monde, ce soir. C'est que là, Shane, il a deux victoires, deux défaites. Il a 6 points. Ouais, peut-être qu'il sera qualifié pour le 8e. C'est quand vous voulez, les gars. Allez, c'est parti. C'est parti, les gars. Bonne chance. Bon match. Zawa en bleu et l'Ethan en rouge. Voilà. L'Ethan, il est en bleu et Zawa, il est en bleu aussi. Oui, mais dans le match. Dans le match. C'est un crémitch. Vanny, est-ce que tu pourrais nous remettre le match, s'il te plaît ? Basculer. Merci. Merci beaucoup. Donc, tu peux nous faire un rappel, Vanny, si l'Ethan gagne, il prend la première place du groupe ? Ouais, alors je vais te dire exactement ça. Bah, je te le dirai à la mi-temps directement. D'accord, voilà, ok. On fera un point à la mi-temps. Pas de soucis. Allez, bonne chance, les gars. Allez, c'est parti. Engagement donné par Zawa. Alors, Zawa qui fait tourner le ballon. Sur le côté. Passe sur le côté. Il fait face à Roberto et Matsuyama Dreamco. Une petite passe gazon. Rizzi, passe comme ça la prochaine fois à chez vous. Parce que tu es tranquille. Ouais, non, pour la prochaine, t'inquiète. Ah, mais tranquille. Comment ? Non, c'est parce qu'en fait, il y a une webcam sur les deux en fait. Ah oui, c'est vrai, il y a la webcam. Oh, j'ai oublié la webcam. Je viens de voir, Chain, il joue contre Jack. Ok, donc je disais. Donc, Chain joue contre Jack. Jay, il a perdu aucun match. Jay, c'est une machine. C'est là, une machine. Ah ouais, Jay, pas mal. Hein. Jay, c'est bon, tu vois, il est au moins dans le top 3, mais ouais, Jay, ouais, pas mal. Il faut obligatoirement qu'il gagne. Ce t-shirt de Zélien et l'État, la Fofo, même de l'intérieur, après, derrière, on dirait une secte. Merci. Romoine, merci pour l'engagement. Merci beaucoup. Je passe tout à l'heure. Bah écoute, reviens quand il y aura les matchs couperets. Donc l'Ethan, il a 3 victoires, 0 défaites, donc pour l'instant, tranquille. Effectivement, s'il gagne, il sera normalement premier du groupe. Bah là, en parlant de Julou, là, il est dans une sauce un peu compliquée. Il n'a pas de passif. Pas le passif. Ouais, là, le passif, zone de sûreté, non, il n'est pas actif. Et oui. Ça l'arrête quand même. Donc désolé, Van, on t'a coupé. Ouais. Donc disais. Allez. Donc l'Ethan, pour l'instant, il est tranquille. D'accord. Eh si. Genre si Zawa gagne. Eh si mon pote. Attention automatique. D'accord. Allez, récupération là, de Zawa qui repart à l'attaque. Santana. D'accord. Face à donc Zubi, voilà ce que Vanny, qui est le du chalon, je viens de nous dire, c'est que ce match-là, concrètement, c'est un match pour la première place. Voilà. Si Zawa gagne, il passe devant l'Ethan à la différence de points. Si l'Ethan gagne, il conforte sa place de premier. Du groupe. Sachant que dans chaque groupe, c'est les deux premiers qui passent. Non. C'est le premier. Les trois premiers ? Non, tous les premiers passent. Premiers. Et ouais. Les. Premier, en fait. D'accord. Premier, t'es sûr d'être en quart. Tu vois la Ligue 1, le premier, le deuxième, ils sont en championnat, le troisième, ils tapent un tour préliminaire. Voilà, c'est ça. C'est exactement okay. Ça. Mais pourquoi il a fait ça, Manek ? Il a dit. Tire, Manek, il a dit. Ils sont là, ok. Allez, le cri trombo d'un autre. Oh, il y a. Pour une fois qu'il a un petit peu de chance, Zawa, pour une fois qu'il a un petit peu de chance.
parce qu'il a été un peu salé face à Bad Jojo. Aucun crit qui l'a sauvé. En tout cas, je remarque que les Gringos, ils soutiennent toujours Zawa, ils sont présents. Gros big up aux Gringos. Voilà, fidèle au poste, fidèle. Par contre, ouais, il est bien monté le Santana, quasi full stam. Vamos. Allez, toujours pas de crit. Et Ishizaki, je pense que ça va l'enlever. Malheureusement, le nouveau compte du visage va sûrement l'enlever. Bah, déjà, avantage du type. Ouais, et le nombre de buffs là qui sont. Ah non, ça passe ça. Il saute. Oh là là, c'est honteux. Il saute encore le dribble de Mathieu. Bon, par contre, notre ami Nathan Ara, on va avoir le passif sûreté. Zone de sûreté. Zone de sûreté, pardon. Oui, pardon, sûreté. Ouais. J'étais perturbé par l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pour ça. Ouais. Voilà, j'étais perturbé. Waka en sueur, Waka en sueur. Et ça, ça passe. Ah, il est sorti. Il est sorti des. Son yes est sorti du fond du cœur. Aïe 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 aïe. Je suis pas d'accord. Allez monsieur. Allez l'état, il reste du temps. Il reste du temps. On est à combien là? Il reste quoi? Ah ouais. Oh, il reste du temps. On a la moitié de la première mi-temps. La moitié de la première mi-temps, voilà. Allez. Autour de tome 2. Est-ce que le attaquer. Berger va répondre à la bergère? On va noter que Nathan a mis des super maillots à ses joueurs, avec le maillot sapin de Noël magnifique. Ah oui, oui, bah. Il est complètement magnifique. Il prépare déjà les fêtes de fin d'année. Hein. Voilà, il prépare déjà l'anniversaire qui arrive. Il est déjà dans l'ambiance. Allez, coupe gazon. Critrimbo, bon ça passe easy. Critrimbo qui a passé easy normalement, il n'y aura pas trop de problèmes. Attention, on a vu le Mizugi, c'est bon. Allez, ça va venir sur le Tsubasa. Super Dreamfest. Ah, la fin de la Letton Luck, ça fait un moment qu'elle est finie, la Letton Luck. Hein. Malheureusement, on l'a vu tout à l'heure. Malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, il a fait ses tirages Dreamco et c'était vraiment pas beau à voir du tout. Ouais. La Fofo se désolidarise totalement du niveau de Letton. Ce message changera si Letton venait à gagner. Letton, tu as la pression, Letton. La pression de Marcolino. Voilà, donne Marcolino. D'accord. Gros big up à Nico, du coup, aussi au passage. Ah, allez, ah, il est dans la surface, il va avoir il est dans la surface. Mettre de la surface, crit argent. Il y a beaucoup de buffs. Allez, le Wakabayashi, zone Kalifazi. Oh, c'est pas possible. Oh, là 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 là. Il va devoir un crit, il va avoir un crit gold. Ah, ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Mais que fait la police? Garde ton sang-froid, Letton. Garde ton sang-froid. Faut garder son sang-froid dans ce jeu. Il reste du temps. Il reste une deuxième mi-temps. Mais c'est bien, c'est bien. Ah, ça, c'est que justice parce que contre Bad Jojo, hein? C'est le Santana, je crois. Ouais. Santana. Zawa qui tente sa chance une dernière fois avant la mi-temps. Il a raison. Un petit tir avant. Avant la mi-temps. Rage qui dit le vrai Waka est du côté de Zawa. Ah. Le bon vieux, le coup de vieux de Waka. Et c'est triste. Ah. Punch blanc. Allez, mi-temps. Mi-temps, 1-0 pour Zawa. On a c'était un bon petit match. Franchement, bon match. Hein. Ouais, bon match. Plein de rebondissements. Ouais. On peut faire un point sur le groupe. On a dit qu'on faisait un point à mi-temps. Donc, alors, pour l'instant, si Zawa prend la tête. Si on en reste là, Letton et Zawa seraient à égalité de points. Donc, 3 victoires, 1 défaite. Et comme Zawa gagne à la différence particulière. À ce moment-là, Zawa aurait avantage. Donc, si Zawa, le résultat reste le même, il aura juste à gagner son dernier match. D'accord. Qui sera, en l'occurrence, contre Santana. Et d'accord. S'il gagne ce match, il sera premier, il sera en quart. Et voilà la dramatique de ce match. Deuxième mi-temps. Allez, voilà. Deuxième mi-temps. Letton qui a fait rentrer Wakashimazu. Letton qui. De 1, t'as gagné? Donne le score à Vanny, s'il te plaît. Vanny, s'il te plaît. Allez.
Nanou. Ouais. Selmo Nanou. Ouais. Selmo 3. Selmo 2-1 et Nanou 1. Allez. Allez, coupe, passe coupe gazon. Tu vas jouer Selmo contre Nero, il vient de passer. Je crois que c'est lui. Interception automatique, Rache. Qui pas. En tout cas, t'as le soutien de Rache. Hein. Ouais, bah. Rache, il lâche pas l'affaire. Hein. C'est raison, un gringos, hein. C'est un gringos. Entre gringos, on se soutient toujours. On est 53 spectateurs, ça fait plaisir, les gars. Allez, on peut monter encore. On peut encore monter. L'Ethan qui va essayer de revenir au score avec ce tir. Avec le Raiju. Le Raiju. Santana, il est à 30% avec Shimazu. Il sort un Rainbow. Il m'a sorti un Diaz, petit gold. Bien sûr, on soutient. Ah, bah oui, vous avez raison, les gars. Ah, oh là là, le cri Rainbow, mais c'est pas. Ah, c'est la RNG qui a tourné. Non, parce que le match juste avant, contre Bajojo, il a été salé en termes de RNG. Hein. Ah, t'es salé. Là, c'est. Là, c'est... Contre moi, il a RNG aussi. Ah, d'accord. Donc, contre Majojo, non. Ah, contre Majojo, c'était non. Tu gagneras pas ce match-là. Le jeu, il a dit non, tu gagneras pas. Tu gagneras pas ce match-là. Bon, allez. Le Misaki. Le Misaki. Dreamfest. Qui va nous faire, je pense, une petite passe. Voilà. Voilà, une petite passe gazon, tranquille. Waka Ballon d'Or, ouais. On lâche pas nos gringos, ils ont besoin du soutien, le frère Ozawa. Waka MVP, ouais, bah oui. Bah, de toute façon, avec ce Waka, c'est tout ou rien. Soit il arrête tout, soit c'est une passoire. C'est ça. Et là, pour l'instant, il allez, a l'air le de... Santana, qui est le seul buteur du match, qui va tirer. Il a payé les crits pour le match. L'aspect distance. Là. Pas de crit, par contre. Donc peut-être que l'État va pouvoir récupérer le ballon. Ah, ballon touché. Ballon touché. Là. Allez, le Waka Shimazu 97. Parce que du coup, là, Zawa, il est à 6, il est en train de gagner. Et au pire, allez, S30, normalement, ça devrait être arrêté. Voilà. C'est le match que j'aurais jamais dû perdre. Allez, ballon pour notre ami Letan. On est à la 20e minute. Il reste 25. Voilà, on est là 25. Quasiment à la moitié de la mi-temps. Donc là, maintenant, chaque action, chaque décision va être cruciale. Passe puissante pour Akai, interception défense. Pour toi, ouais. Interception ex, ça passera pas. Ça passera pas malheureusement. La balle récupération de Zawa. Pour l'instant qui joue bien. Ouais. Zawa qui joue pas mal. Il fait des bons. Et voilà, des bons Rache choix. L'a annoncé. Rache l'a annoncé. Interception. Allez, tir. 3 buffs. 0 crit. 0 crit. Allez. Le Wakashimazu. Le full power de la part de Letan. Le crit gold. Au calme, tranquille. À partir de maintenant, je crois qu'on commence à rentrer dans le money time. Là, on commence vraiment à rentrer dans le money time. Si Letan il veut égaliser, c'est. Non, ça presque va. Maintenant. Presque maintenant. Ouais, là, mais faut qu'il amorce le truc dès maintenant, en fait. Voilà. Faut qu'il joue sa tactique maintenant. Allez, c'est parti. Le Misaki bien monté. En tacle, en interception. Est-ce que ça va passer? Hâte de voir un potentiel à Salinas Vert. Écoute, nous aussi. Interception issue de Shingo Rage. Duel de crit. Hop, match nul. Loose ball. Elle revient sur l'Ethan. L'Ethan qui récupère. Elle récupère quand même le ballon. Ça passe pas. C'était chaud. C'était très chaud. Par contre, il y a un autre morceau. Le Akai. Qui scelle son tir, donc ce sera soit un dribble ou soit un 1-2. Ah là, ça va se prendre un coup de brain là. Là, c'est. On est à la 31e. Ça peut être un moment crucial là. Là, ça peut être carrément un moment crucial. Et voilà, si l'Ethan y passe là. Attention. Attention. Ça... Non, c'est récupéré par Shingir qui n'a plus de stam. Mais qui va essayer. Bah, il est en full power. Donc, ça sera... Oh, le crit Kimbo.
Oh, le cri de Primo, c'est... Ah, c'est insane, les gars. Non. Non, je quitte ce stream, les gars. Je peux pas voir ça. Je peux pas voir ça. Il a deux de stam. Il lui a plus que deux de stam. C'est-à-dire que c'était maintenant ou jamais. Non, c'est très bien joué de la Barzawa. C'est très, très bien joué. Le cri de Golf qui rattrape tout. Allez, c'est récupéré. C'est maintenant ou jamais pour... La contre, dernière maintenant ou jamais, maintenant. Maintenant ou jamais pour notre ami l'État d'égaliser. Interception rapide ou ce sera sûrement un dribble, très certainement. Un dribble ou un tir, mais je pense qu'on va essayer sur un. Ouais, mais il faut faire attention parce que s'il y a là le critique qui peut. Ah, ça va être qui passe. D'ailleurs, qui est magnifique. Zawa, hein, spam tir, les de co, très très bien joué. Mais non, il spam tire pas, Zawa, il spam tire pas, les gars. Non, il est. C'est, non, c'est bien joué. Pour bon, ça, c'est un bon match. Bon match. Allez, dribble 1-2. Allez, le trio. Oh, Gold, Rainbow, pardon. Rainbow pour l'État. Ça va avancer vers le gardien. Ça va être la dernière chance pour l'État d'égaliser. Dernière chance de éviter une défaite. Voilà, soit c'est match nul ou soit c'est victoire de Zawa. S'il veut sauver les meubles, l'État. C'est maintenant. C'est maintenant. Là, c'est un match à 6. C'est maintenant. Il fait la passe à son Yuga Dreamfest face au Matsuyama Dreamco. Interception de leg. Retourne la croix du Tigre. Je pense que on peut deviner que va décider notre ami l'État. La retourne la croix du Tigre. Magnifique d'ailleurs. J'ai vu 1-0. Je peux donner le score à Vanny, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, on va voir maintenant. Est-ce qu'il a eu un crit? J'ai même pas vu s'il y a eu un crit ou pas. Non, j'ai pas vu le crit. Ah, ils ont mis l'émoji de MV. MV, bisous MV. Attention. Attention. Pas de crit. Est-ce que ça va passer ça? Et c'est arrêté. Récupération de Zawa. Ah bah voilà, la roue a tourné. La roue a tourné. Bravo les gars. Bravo. Franchement, ça a été un match très serré. Franchement, bravo. Bravo les deux. Bravo, c'est un bon match, bravo les gars. Bon, en attendant le prochain match, on va inviter le champion français du Dream Championship, BG. Voilà, qui va nous donner ses instructions. BG, si tu peux venir t'exprimer sur le live, raconter un peu comment s'est passée ton expérience avec les cours. D'ailleurs, c'est maintenant que je te vois pour la première fois de la soirée. Salut. Alors, explique-nous alors comment s'est passé le voyage au Japon. Et puis la Japan. Oui, il y a eu la Japan, mais je pense que tout le monde l'a vu. Ouais. Je pense que tout le monde a vu la finale, surtout contre... Depuis, je disais. Oui, voilà. Ah oui, toi et moi, oui, je veux dire. Oui. Mais je parle de ce soir. C'est la première fois que je te vois ce soir. J'ai pas pu te dire bonjour. Donc, je disais, BGA, pour ceux qui ne connaissent pas, il a gagné l'étape Paris du Dream Championship. Il a eu la chance d'aller au Japon à Tokyo. Tu as joué contre un... Jap, je crois. C'est un Japonais. Non, c'était un Saoudien. Ah, c'est Will of Day. Donc, il a joué contre le futur. Le champion, quoi. Le champion. Dis-nous comment ça s'est passé, l'organisation. Donne-nous tes impressions sur. Niveau organisation, c'était. Allez. C'était carré, c'était japonais, quoi. Ouais. Par contre, niveau ambiance, la Japan Expo, c'était quand même 20 fois mieux, quoi. C'était le feu. Malgré qu'on t'ait. Personne n'était pour toi. Oui, c'est ça le problème. Bon, après. Sauf ceux qui ont gagné les t-shirts. Voilà. Exactement. Mais voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça s'est bien passé? Toi, t'as kiffé. Combien de fois le Japon? Ouais, c'était la première fois là par contre. Donc ça s'est passé comment? Tout est baladé? T'as fait quoi? Du coup, en fait, moi. Est-ce que t'es parti avec quelqu'un? Non, je suis parti tout seul là, voilà. J'ai deux jumelles du coup. D'accord. Du coup, qui sont nés en janvier. D'accord. Du coup, c'était chaud de prendre l'avion avec les deux. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Et puis du coup, du coup, ma femme, elle avait plusieurs places. D'accord. Moi, vu que j'ai été, il me semble que la Japan Expo c'était le 6 juillet, c'est ça?
je crois. Ouais. Sous le 9, ouais. Donc, du coup, c'était le samedi de la Japan Expo. Ouais. J'ai du mal à les contacter, mais une fois que j'étais contacté, ils m'ont proposé assez tôt de choisir mon aller et mon retour. En fait, ils m'ont laissé le choix entre deux allées de retour. D'accord. Donc, plus tôt, le plus tard possible. D'accord. Et en fait, ceux qui ont été qualifiés en ligne, comme Rukawa de l'AFG, oui, lui, il a eu le choix de un peu partir quand il voulait et revenir quand il voulait aussi. Donc, ah ouais, d'accord. Donc les mecs qui ont été qualifiés en ligne ont eu plus de privilèges. C'est pas privilège, plus de commissaire. Oui. Plus de flexibilité sur les vols, si on veut quoi. Ouais, ça aurait été bien que tout le monde soit à loger la même enseigne. C'est ça. Donc du coup, au final, donc en fait, ce qui était bien, c'est que le vol aller-retour était payé. Et l'hôtel pour 4 nuits était payé aussi quoi. Après si tu restais plus, c'était de ta poche. Et d'ailleurs, est-ce que t'es resté plus? Moi ou, non du ou, coup. Ou t'es vraiment resté les 4 jours? Enfin un tout petit peu plus du coup. Ils me proposaient de repartir le lendemain, j'ai dit oui direct quoi. Mais si j'avais eu le choix, je serais resté peut-être 2 semaines quoi. D'accord. Donc, ok. Donc voilà. Messieurs, voilà. Je vais vous interrompre très rapidement parce que là on lance le tout dernier match. Donc, vous le voyez déjà sur votre écran, Lolzad contre Mitch. Ouais. Et là c'est simple. Pour l'instant, Lolzad a 10 points, il est premier de la poule. Pas mal. S'il gagne, il est premier. Quoi qu'il arrive. S'il fait match nul et que JR gagne, oui. À ce moment-là, on va regarder le résultat entre deux. T'avais fait quoi, Lolzad, contre JR tout à l'heure? Match nul. Ouais. Donc, du coup, ça va se jouer à la différence de but entre JR et Lolzad pour savoir qui est premier. Mitch, tu es assuré d'être au moins troisième. Bon, donc, quoi qu'il arrive, on te verra dans les phases à l'émission directe. Là, la question, c'est de savoir, donc si tu gagnes, tu es premier. C'est pas une question. Santa, tu vas voir. Il n'y a pas de question, là je te dis. Si tu gagnes, tu es premier. Voilà. Si tu fais match nul, faut pas que JR gagne pour que tu sois deuxième, sinon tu es troisième. Voilà. Voilà. Bah déjà, qu'elle est sûre, c'est bon ça. Donc Zad va perdre. Allez, Mitch. Vas-y, claque-le là. Qui c'est qui est donc voilà. Donc Chain a gagné contre Jay. Ah, super. Ah, bah première défaite de Jay. 630. Attends. 537. Et donc. Hop. Et du coup, alors, comment ça. Chain est assuré d'être en phase finale. C'est bon. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Le tenant du titre, toujours là, c'est bien. C'est bien. Il va pouvoir défendre son titre le plus longtemps possible. Et c'est une surprise pour moi de te voir ce soir. On m'a dit que tu habitais loin, tu as fait quand même l'effort. Je te remercie d'avoir le champion de Paris. Là, je ne m'y attendais pas. Tant mieux. Le numéro, tu te rappelles? 630, 536, je suis de mémoire. De toute façon, c'est streamé. Après, faut savoir que c'est un plaisir d'être là aussi. Ouais. Mais j'habite loin, mais je travaille par contre sur Paris. Hein. Du coup, en fait, j'ai tapé tout à l'heure, je tape demain et là, je suis en train de. Parfait. En tout cas, de toute façon, tous ceux qui voulaient venir, il n'y avait pas de problème. Tout le monde était le bienvenu. Et du coup, ça se passe comment le tournoi pour toi là, en termes de résultats? Pour l'instant, j'ai fait 2 victoires de nul. Donc, je suis à 8 points. Kira, il a fait 4 victoires, donc il est à 12. Donc, lui, il est sur premier. Même si je le bats là, je serai à 11, lui 12. Je sais pas où j'en suis niveau classement. Est-ce que je suis assuré d'être là comme ça? 2 victoires de nul. Tiens, tu redonnes le numéro de match en même temps, s'il te plaît. Je pense que tout va jouer. Je pense que tout va jouer sur les derniers matchs. Quoi. Ouais, mais je pense, vu comme ça, il reste quoi? Il reste un match, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que tu seras minimum 3ème. Minimum. On sera qualifié pour la phase finale. Après. Je pense qu'on est 4 au coup d'à coup sur la 3ème. Il faudra voir avec Vanny. Toi, c'est quoi le groupe? C'est le groupe A? Ouais, ce groupe, je sais pas. Je sais même pas. A, B. Et j'irai même plus loin. Je dirais D, moi, groupe D, je dirais. Il est classé comment, BGI? Il est deuxième. Et le dernier match, c'est contre qui? Sur la poule, alors. Ouais, il est deuxième, mais t'as un match à faire encore. Ouais, bien sûr. C'est contre qui? Thierry. Contre qui? Alors. Sarah. Contre Kira. Et ben voilà, contre Kira. Un gros morceau. Bah écoute, bonne chance. Merci. Allez, l'obstacle contre notre ami Mitch, qu'on ne présente plus forcément, qui est bleu. Et l'Oxad qui est rouge.
J'avais dit que Mitch visait les 3e places. Ouais. Ouais, Mitch il veut la 3e place parce qu'il veut la figurine de Nita, la petite figurine de Nita, voilà pourquoi. Allez, la tempête S30 avec un incalculable de bot. La barre. Ouais, 59-60. Ouais. C'est bien. 60. Et en un, il a eu marre que les couilles parlent, il se taille. Qui? Je sais pas, un mec du chat. Oh, 63. Gros big up à tous ceux présents sur le, merci, sur le live. Merci beaucoup. Hobbs. Gros big up à Hobbs. Hobbs, l'État a vu ton message et il te fait des bisous également. Allez, la tempête. S30, normalement ça devrait passer. Normalement, en plus il y a l'avantage couleur. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ouais, faut pas oublier que le passif de Wakashimazu, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur d'asiatique. Mais s'il emporte le tournoi, le premier prix, j'en veux pas. Par contre, la figurine de Mita. L'étonne. Faut toujours prendre banane. Ouais. Allez, ça revient sur Masao contre Masao. Masao et Juto. Catapulte infernal à 50 contre une interception. Et le Juto, un contre S30. Ça peut faire café. Ça peut faire café. Allez, on dirait qu'on a plus de choix du Kazuo. Catapulte infernal, dégagement blanc. C'est Mitch. Oh, super contre. Ça sort en corner normalement. Est-ce que ça va être un corner ou est-ce que ça va revenir sur un joueur? Ça revient sur Roberto. Ça revient sur Roberto avec un petit amorti qui va se approcher le plus possible de. Je crois qu'il est déjà dans la surface. Ouais, quasiment même devant. Allez, pas de crit. Par contre, pas de passif activé. Forcément, vu que c'est pas un Jap. Mais on nous a dit que Roberto était un Nikkei. Voilà. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un japonais d'origine. Non, c'est un brésilien d'origine japonaise. Qui a des origines. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Je sais pas. Voilà. Brésilien d'origine japonaise. Allez. Donc il est niqué en fait. Hein. Ça, tu veux dire. C'est un niqué. C'est pas. Vu comment il se bourre la gueule, déjà il a bien sa. Enfin, il est au bon endroit en étant dans la Binous Team déjà pour commencer. Et oui, effectivement, il est niqué, exactement. Allez. Ça en voilà. Tout cas, ce soir, on peut vraiment souligner la présence de très bon monde. Très bon monde ce soir. On a des gens de toutes les confs, toutes les grosses top conf FR qui sont présents. Il y a Jay, Lucette, grand merci à eux. Zawa de Los Gringos, moi aussi qui fait partie de Los Gringos. Il fait aussi partie de la Mugiwara. Il y a beaucoup d'anciens Mugiwara qui sont là et qui sont maintenant à la North Face. Il y a la Furios, il y a la Team Fofo, il y a la NGT. C'est ça. Il y a la Salty avec BJ aussi, la Salty qu'on salue, salue tout le monde. J'aurais aimé voir un peu plus de monde de la Mambo, parce que je me sens qu'on a personne de la Mambo. Enfin, faudrait. Mambo. Je pense qu'il n'y a personne de la Mambo, mais en tout cas, voilà. Du très très beau monde présent, ça fait plaisir. Et le beau jeu est au rendez-vous pour l'instant. C'est ça. On n'a pas eu de. Quand ça veut dire que Vanny, on va avoir combien de. On n'a pas eu de mauvais joueurs. Il y en a combien de matchs? Tu le donnes à lui les scores? Bah 4, parce qu'il y a 2 deuxièmes et 2 quatrièmes, mais c'est en même temps. Ok. Allez. Première mi-temps. On est quasiment à la moitié de la première mi-temps. Takashi va sûrement faire une passe. Ou un dribble. Takashi, je crois que Takashi. Ouais, Takashi, ouais, Sawada. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Sawada. Nero, ouais. En Nero, c'est la carte du. Là, en juste 97. Là, en fait, tu vois, c'est le mot Nero. C'est là où ça se joue. Non, bah, les deux jouent l'un contre l'autre. Ouais. Allez, tacle. Allez, le Ishidaki passe à Roberto. Et là, on est près de la surface. On est sur le côté. Ah, ce fameux Ishizaki droppé un soir d'anniversaire. Et oui, on se rappelle. Chez Mitch en live. C'était le feu. C'était le feu. Ah, d'ailleurs, c'était après quoi? C'était après la japonaise. Il me semble que c'était après la japonaise. Il a
Ouh, mais ça le petit Trembo qui permet de, qui permet une 2 de passer. Ouais. Allez, Lokzad va sûrement rentrer. Lokzad va répondre à Mitch. Allez, le tir de Roberto. Pas de passif pour notre ami. Pas de crit. Pas de crit, exactement. Il n'a pas le bonus du Tsubasa non plus. Non plus. Genre, tu vois les barrages de Ligue des Champions. Un petit crit argent pour assurer le coup. Ça va être punché. Ça va être punché. Voilà. Ce beau Shimazu avec son col roulé. Allez, récupération de notre ami. Waska, il a joué, non, mais pas en live. Allez, récupération de Lokzad qui a centré. Passé en live. Ça touche, mais ça passe quand même. Ça arrive sur le Yuga Dreamfest. Qu'est-ce qu'il va faire? Un amorti, sans, on s'en doutait un petit peu. Et derrière, ça va frapper, ça va cogner dur. Full stab, le petit coup foutant sans égal. S30. Pas de crit, je crois, si je dis. Non, pas de crit. Et c'est parti pour la grosse frappe de but. Magnifique speed, d'ailleurs. Magnifique. Ouais, vraiment, là, Yuga, il a été respecté bien comme il faut, ça se fait. Le petit crit pour Mitch. Est-ce que ça va passer? Là, c'est assez ambigu. Non, ça passe pas. But. Et voilà. Ouverture de sort de Lokzad. Juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Mais rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Il reste une mi-temps. Soit pour que Lokzad creuse l'écart ou pour que Mitch revienne dans le match. Alors, Shingot, oui, il a joué Waskai, sauf qu'on ne l'a pas passé dans le live pour l'instant. Voilà. Si vous voulez voir les gars, allez sur le challenge. Vous avez tous les classements des groupes, etc. etc. Donc, vous pouvez voir où est-ce qu'il en est. Allez, le 1-2 pour essayer de peut-être tirer juste avant la mi-temps. Ok, merci Letko. De rien, Shinko. Après, tu peux aussi dire merci aussi à notre ami. Oh, toi au moins, c'est pareil, frérot. C'est plus Chamix. Allez, 1-0 pour pareil, notre ami Lokzad. Là, il est au taf. Mi-temps. Pour l'instant, on a un bon match. Très tactique. Très serré. Très serré. Il faut voir comment Mitch va gérer. Il va répondre en deuxième mi-temps. Parce que connaissant la bête, c'est pas fini. Ça, c'est Hervé. Yo Hervé, c'est encore. Allez, des changements. Ouh là là. Ouh, il a fait rentrer mon amoureux. Il a fait rentrer la bête. Il a fait rentrer mon amoureux. Il y a une bête qui est rentrée. J'ai vu un petit Brésilien qu'on ne connaît pas, hein, rentrer. Ah, c'est mon amoureux, Natorezza, c'est mon amoureux. D'ailleurs, deux joueurs avec le passif super. En passant, je crois qu'il y a le Matu Yama. Voilà, les gens. C'est pas celui de Mitch. Allez, interception. Le tac. Allez, ça va pouvoir relancer avec la passe de l'aigle. Hey, le Bruce Wayne, bien quoi, mon gars? Salut Bruce Wayne. Ah, lui, c'est mon gars sûr. Non, Mano et Badjojo, c'est mort. Parce que c'est une onde de fond. Allez, le Tsubasa Dreamfest. Face au Roberto. Bon, face au Roberto qui a un gros tac. Ça va être une passe. Pleinement volante. Ça aurait été l'inverse sur une tête moyen avec, toi aussi, avec un 4-0. Allez, le passif qui s'est pas activé. De l'interception automatique. Yo, évident. Yo, évident. C'est Evie. Yo, Elias. La famille. Par contre, les teams, pas très variés que déjà. Bah, malheureusement, c'est la méta dominante là, dans le jeu en ce moment. Allez, là, je vais pas perdre. Là, en ce moment, ça continue. Magnifique. Le dream. Oh, désolé. Le dream miraculeux. Magnifique. Et il l'a refait une deuxième fois. Quand il n'y en a plus, et il y en a encore. Ah, vraiment une dissipée. Elle est plus belle. Elle est simple, mais elle est belle. Allez, il se fait une passe à lui-même. Ballon. Donc oui, Atlus. En ce moment, oui, la méta dominante, c'est la méta Jap. Et malheureusement, la méta Europe, elle ne se développe pas à une vitesse on qui est permet 70 d'être joué. Ce soir. D'être joué tout de suite. Allez, normalement, ça devrait rentrer. Allez, 70 sur le chat, gros big up à tout le monde. C'est la carte, ça va rentrer normalement. Pas forcément.
Eh si, hop si, ça, respectez Naturezza les frères. Ouais, respectez Naturezza. Égalisation de. Même non. Pas, même pas. Ah non, c'est... j'ai n'importe quoi. Je pensais que c'était lui, tu vois. Désolé Loxad, excuse-moi. Donc qui creuse l'écart, pardon, je suis perturbé. Oh le rassemblement foufou sur le chat. Ilias, il a pas été à la Fofo, j'ai des bêtises, non, il a jamais été à la Fofo, Ilias. Ilias et Ivy est égal Xavier Dupont de Ligonnès, ouais. Allez, 2-0. C'est bon ? Propre. Objectif, attends. Tu l'as dit ? Voilà. Alors toi, t'es Kira ? Allez, le Tsubasa vert, le vrai capitaine. Le vrai capitaine. C'est ça, hein ? C'est ça son nom ? Je crois. C'est le vrai capitaine. Je me souviens pas trop. Il vient dans la Fofo ? Ouais. Jamais de la vie. Je viendrai dans la même conf que l'État. Jamais de la vie. Je viendrai dans la. Ah, d'accord, ok. Je viens de comprendre le message. Plutôt me faire harakiri. C'est que j'ai mis un lien pour pouvoir mater. Bon, en tout cas, on a le qualifié côté groupe CD. Bon, ça y est, c'est terminé les CD. Ouais, CD, donc on va en parler juste à la fin. Ouais, match, enfin, un vrai point, un bon point. Et même si j'ai entendu quelques ouais, infos, c'est pas assez. Voilà, on va compléter. Voilà. On va compléter. Allez, le Margus Dreamfest avec sa petite tête plongeante S1 face à Ishizaki 97. Oh, Crit Rimbo sur l'amorti. Est-ce que ça passera? Je pense, je sais pas, ça va. Non, match nul. Match nul, ça va aller sur qui? C'est un corner. Non, même non pas. Ça revient sur Roberto pour Mitch. Ça revient sur Roberto normalement. Petit amorti. Petit amorti. Est-ce que Mitch va réduire le score? Ce serait. C'est le moment ou jamais de réduire le score. C'est maintenant. C'est maintenant. Crit Gold avec le bonus Tsubasa. Dis-toi qu'il y a le bonus Tsubasa et aussi le Naturezza vu qu'il l'a fait rentrer. Et il n'a pas le passif. Il a pas le passif, cure de Jap. Cure d'Asie, pardon. Normalement ça devrait rentrer, non? Ça pense. Et ça rentre. Oh poteau, ça rentre quand même. Ça rentre quand même. Mitch revient dans le match. Est-ce que le match est relancé? Telle est la question. 26e minute, il reste Monsieur 20 minutes. Monsieur Tagotfire est sur le chat. Wouh! Tagotfire, gros bisous la mif. Il manquait bisous, plus que toi. Frérot, il te manquait plus que toi. Rétablis-toi bien, force à toi mon lapin. Il s'est fait, il s'est fait les fameux ligaments croisés. Voilà, exactement. comme Bogossian en 98. Voilà, bisous mon Seb. Allez, est-ce que. Quel plaisir de voir match. Son nom dans le chat. Le comeback. En tout cas, Mitch, t'as le soutien de Tagotfire. Voilà. Merci, Tagot. Voilà. Tagotfire qui attend toujours le uTip pour son iPhone. Live, live. Allez, Loxad, quel ballon. Ça passe. Pour le Tsuba. Pour le Roberto, pardon. Face au Tsuba, c'est André capitaine. Bon. Ah, il a bien monté ouais. Le Roberto. Bien monté les passes rouge, tout rouge. Tout est rouge. Voilà. Tout est full rouge. Le dribble. Ouais, bah là, je suis juste sud-américain. Allez, le Gito. Le Zad, non, il joue sur la globale. Et en fait, là, je suis en train de. Attends, Georges. Ah, ouais, autant pour nous. Il a le petit badge Emirati. Il a le petit badge Emirati. Là,
Bisous mon Seb. Il manquait plus que toi et là on avait le trio commentateur de ces de légende. Ah ouais, la grande époque de TF1 là. Allez le, ouais. Allez, le Mitch qui repart à l'attaque, il faudra peut-être essayer d'égaliser. Eh ben non, c'est le Gito qui l'a et qui peut faire qu'une passe. Donc normalement, ça devrait être. C'est toujours le cas, Nico. C'est toujours le cas. Il est toujours sur la version jab. Voilà, interception du Mizugi, ça c'était prévu. Allez, dernière action, c'est maintenant ou jamais. 45e minute. Le foot n'existe pas là-bas à limite. Contre tac, contre du visage. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, allez, c'est maintenant ou jamais pour Mitch d'égaliser. Voilà. C'est maintenant. Soit notre ami Lokzad à la victoire. Ou soit Mitch égalise. Ça passe. Allez, ça vient sur Roberto. 46e minute. Face à Sawada, ça sera la, on peut dire la dernière action du match, quasi. On dépasse les 70. Ouais, ouais, 70, ça fait plaisir. Ça, c'est l'effet de Godfire, ça, je pense. Oh non. Ah, c'est l'effet, l'effet de Godfire. Oh. Bravo, les gars. Il reste plus rien. Bravo, les gars, c'était un bon match. Donc, score final. Voilà. Bravo, les gars. Match très serré. Alors, score final de 1. 2-1 pour Lokzad. Lokzad. Non, c'est le. Non, c'est ton Aturezza qui a fait mal. Donc, tu l'as rentré. C'est Lokzad, premier du groupe A. C'est bon, c'est officiel. Il est vraiment chaud. Bravo, les gars. Merci pour le spectacle. Donc, deuxième du groupe A. Et fait ta Godfire. Donc là, Vanille. Donc là, Vanille, tous les matchs des poules ont été terminés. Il en manque un. Dans le qui est en train de se faire A, qui est en train de se faire, même d'accord. S'il n'y a pas d'incident. Eh oui, le Xad a gagné. De A. D'accord. Et dans le groupe B, il m'en manque deux. Je suis en train d'avoir. D'accord. Tu peux changer la scène, je vais charger un peu mon téléphone. Je suis à 48%. Ouais, vas-y, de toute façon. On va lui mettre un petit coup de boost. Alors, vas-y. C'est bon ? Je débranche. Donc, alors, je rappelle rapidement, donc, pour ce qui est des groupes C et D. Donc, Kira est premier du groupe C. Selmo est deuxième et Biji est troisième. Dans ça, le groupe D. Donc ça, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est fini. Dans le groupe D. Jay est premier. Je suis éliminé, d'accord. Je peux casser la Mugiwara. Zell est deuxième et donc va affronter Biji tout de suite. Et Shane est troisième, il va affronter Selmo. D'accord. Eh, single Shane X, non, je ne crois pas. Non, c'est l'effet Tagotfire tout simplement. Biji contre Zell. Bah, on va mettre Zell et Selmo contre Shane. Donc là, prochain match à streamer. On va mettre Zelien contre Bidier. Est-ce que j'ai d'autres résultats à noter, les gars? Ouais, dis-moi. Donc, je vais aller chercher les gens. Va aller chercher, s'il te plaît. Merci, Kira. Santana, Zawa, c'est encore en jeu. Humber, Akuma, ça donne quoi? Ok, ça joue encore. Zawa, il joue encore. Tac. Ok. Bisous, Lias. Vraiment effet single shot. Merci à tout le monde. Allez, je vous laisse, les amis. Salut, Lias. Merci d'être passé sur le chat. Ouais, alors, après, si tu veux voir la rediff, il y aura la rediff sur ma chaîne. Ouais, alors, tu vas revoir ce qui s'est passé après. Le résultat de Zawa Santana pour savoir s'il est premier ou deuxième. Donc, en gros, si Zawa gagne 2-0. Attends, Zawa et Letan, non, c'est Letan qui a gagné. Ah, mais c'est bon. Ah non, c'est un Zawa plaisir, qui a gagné. Un plaisir pour ouais, moi aussi. Si Zawa gagne, Zawa est premier. Et Letan deuxième. Si Santana gagne, surprise Santana quand même, hein. Est deuxième, Letan est premier. Il y a des belles surprises, hein, la défaite de Mitch, je ne m'y attendais pas. Ah, la défaite de Mitch. Ça reste comme ça. Donc Letan premier. Bisous Zawa, à Elias. Bisous Elias. C'est quoi ce maillot? Il est beau. Ah, ouais, Mounir. Ouais, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Je pense que Mounir, il va laisser un petit commentaire. Naturezza, frérot, obligé. Obligé. Donc, alors, du coup, alors, Zell, est-ce qu'il est là, Zell? Ouais, il était Zellien, pas loin. Il était quelque part juste à côté, là, je viens de voir partir là. Bah, Kira est parti le chercher. Ouais, il est parti le chercher, ok.
Gros match, les gars. Gros match, BGI contre Zélien de la Fofo. Ouais, bah. Tu t'en vas. Oh, Mounir. Merci. 6-9 la trique. J'espère que t'as pris beaucoup de plaisir. Au plaisir. En tout cas, merci d'être venu. Je suis d'accord. Faut le ban. Mérite que ça, Zawa. Oh, bah, non, Zawa, il a fait un bon match contre l'État. Ah, il a fait un beau parcours, ouais. Le match contre l'État. Ah, c'était un bon match. Un très bon match, très serré. Il a bien joué. Chevalier d'or de la RNG. Oui. Il a perdu aussi. Il n'a pas gagné tous ses matchs. Kick Zawa. Nico qui essaye de semer la zizanie au sein de Los Gringos. Alors, par contre, juste une chose. Oui. Là, pour ces matchs-là, alors je vous propose, hein, après vous acceptez ou vous refusez. Vas-y. S'il y a déconnexion, alors qu'il y a match nul, en première mi-temps, on relance. Mais si en deuxième mi-temps et qu'il y a match nul. Attention, c'est des matchs. Élimination directe. Comme il y a un avantage pour le deuxième de poule, pour moi, normalement, c'est le deuxième de poule qui devrait passer. En gros, je vous propose exactement la même règle qu'en Coupe du Monde de rugby, s'il y a un quart de finale et qu'il y a. Tu sais, qu'ils ont encore le typhon, là. Et que si ça se reproduit, ils avaient prévu que parmi les deux, celui qui avait été meilleur en poule passe automatiquement en cas de souci. Après. C'est un truc que je propose, bien sûr. Espérons qu'on ne fasse pas ça. Parce que c'est juste une question de temps, en fait. C'est juste une question de temps, parce que là on est parti pour terminer la finale à minuit. Ouais. Très clairement. Ouais. En tout cas, Zel et. Alors oui, donne-moi ton résultat avant tout. 2-1. Je vais les appeler. Ok, Humber, 2 à Kouma. C'est Zélien et. Ok. Du coup, Mitch, il est combien tiers dans la finale? Mitch, il a perdu contre. Mitch 3. Ah ouais, Mitch 3 quand même. Ouais, Mitch 3. Ouais, il a perdu contre Lobzad. C'est ça? Humber, ouais, 4. Selmo. Ouais. Selmo, bonne chance, tu gères. Il y a une victoire des gars. Merci, maman, tu s'en es. Alors, BGI, je t'en prie. Assieds-toi. Les joueurs, il a mis son bro, Selmo. T'as Godfrey et tu demandes est-ce que t'as mis ton bro avec toi? Ça va, il est qualifié pour les phases éliminatoires directes, ça va. Donc le match Zélien contre BGI pour le premier huitième. Premier huitième de finale, Meskin c'est le mot. Pourquoi Miskin? Moi je suis éliminé. Ah, t'es éliminé? Bah, qui était juste avant aussi? C'est à qui? C'est à toi le gros truc? C'est quoi? Mais tu c'est quoi ton batterie? Combien de. Discute avec ça le truc. J'ai même une. Tu peux recharger combien de fois ton téléphone avec ça? C'est la première fois que je vois un truc pareil. Ça date de l'époque Pokémon Go. Alors, je répète, Zawa a gagné, donc Zawa est premier du Bravo, Zawa. B, Létan deuxième, Santana troisième. Bravo les gars, bravo à Zawa. Ça y est, enfin il pouvait jouer, il demandait que ça, jouer avec sa jappe, donc ça y est maintenant il est servi. Il est servi le Zawa. C'est par rapport au défenseur. De comment? Je pas compris. Oui. Vas-y. De toute façon on te voit, on vous voit là. Top, c'est qu'à la fin, du coup, les 16, on a tout papoté avec les développeurs. Alors, tire ça dans le jeu, ça va pas, ça va améliorer ça, etc. Ça va penser comme ça. J'ai l'impression qu'ils nous ont écoutés. Non, ils écoutent. Après, il y a des choses qu'ils pourront jamais faire, mais s'il y a des choses pas très compliquées, ils vont le faire. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous avez les classements et les matchs annoncés tout de suite. Voilà. Donc. J.R. Santana. Vous êtes éliminé, effectivement, vous êtes tranquille. Ah, cool. Oh, il y a l'Étal Mich. Voilà. Pas mal. Pas mal. L'Étal Mich, pas mal. Ah, le l'Étal Mich, c'est pas mal. Selmo contre Shane, pas mal aussi. De toute façon, là, c'est que des matchs pas mal. Alors, non, BGI. C'est BGI. Et Zel, c'est quoi? Non, Zélia, c'est l'autre qui a le t-shirt bleu Fofo. Ouais, mais c'est l'autre. Je vais l'appeler. Ouais, il faut qu'on y aille, ouais. D'accord, ok. Non, après, alors attends, si jamais tu crois que mets-le dans mon. Ouais, je te le ramènerai, Mounir, je te le ramènerai, Ideo. Même si j'ai eu la chance de le voir, Ideo.
Dans Micromania, il m'a dédicacé un Metal Gear Grand Zero sur PS4. Je peux te dire que je le garde précieusement celui-là. Quoi? On joue maintenant, les gars. Oh, il faut qu'on enchaîne. C'est le mot contre Shane. Tu vois qui c'est, Shane? Comment je pourrais te le décrire? Il est grand, petite barbe. Il a un peu de tatouage. Oui. Allez. Ouais, c'est comme vous voulez, les gars. Bon, y a pas de... C'est comme vous voulez. Vous êtes grand. Toi, tu es. You, tu es contre JR. Voilà. Cherche le. Non, mais ça y est, là tu passes en. Ça y est, là, match éliminatoire. Là t'es en 8ème. En 8ème. Oui, bah, vous avez intérêt, ouais. Si vous n'avez pas de réseau ici. Si, non, mais c'est si. You, you Santana est qualifié. Il a fini combien, You? You Santana, il a fini combien? 3ème. Ah, t'as fini 3ème, donc c'est bon. C'est bon. T'as fini 3ème. C'était trois. Ah, j'ai demandé tout à l'heure si c'était clair. Non, c'est les trois. Par contre, un tour. Par contre, le premier, lui, il est déjà en quart. Et les deux et trois, eux, ils sont déjà à un tour suivant pour rejoindre l'écart. C'est-à-dire que quand tu as, si tu gagnes, tu vas jouer l'écart. Voilà. Un tour supplémentaire. Voilà. Oui, s'il te plaît. Alors, vas-y, dis-moi. 338. Ah non, attends. Dis-moi, ouais, 338, ouais. 0-1-4. Ouais, j'ai du mal avec les chiffres, je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que c'est dans le... Ah, Zélien qui venge l'Ethan. Digito qui dit ça. Ah là 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 là. Ouais, sur la même conf. Faux, c'est écrit. C'est écrit dans le beau t-shirt. On est dans les taux, hashtag on est dans les taux. On est dans les taux. Voilà, on est dans les taux. Avec tous les noms de la con. Alors, Rest Power, c'est Zen. JR, c'est le grand métis. Le antillais. Il est assez grand. Un grand antillais, il n'y en a pas 40. Voilà. 338, 0,14. Ouais, 338, 0,14. Ah là là. Allez, premier huitième de finale. Donc les premiers matchs à élimination directe. Pour rejoindre les quarts finalistes. Ça joue toujours. Oui. Ça va jouer là. Ça va jouer. On attend que BG sélectionne sa team. Et on est parti. Il y a de la conf qui recrute sur place. Je sais pas. Mon pilar, je sais pas. Je viens de prendre un screen du chat avec Ops. Comment il est. D'accord. Ah, c'est le petit insigne que t'as eu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le petit insigne. Hein, j'ai eu 16. Ah, propre. On n'a pas. Ouais, on peut voir le petit insigne. Ouais. J'avais pas remarqué. Alors, je vais devoir tenter un truc du diable. Faut que je relance challenge. Parce qu'il y a un truc que je peux pas faire via mobile. Pourquoi? Ah, parce que challenge encore une fois est teubé et que du coup pour mettre le bon ordre, ouais, les bonnes confrontations, faut que je l'utilise. Allez, là ça devrait le faire. Voilà, tu me fais peur, Vanny. Ouais, mais c'est pas ça que je le fais maintenant et pas après, tu vois. D'accord. Parce que là tu vois, il y a des matchs mais qui sont pas dans le bon ordre. Ouais, je vois. Parce que challenge est con, tu vois. C'est à dire que les mecs qui sont premiers de groupe, ils sont pas mis là où il faut. D'accord. Tu vois. C'est ça, c'est genre référence mondiale et malgré tout, tu vois, Santana, faut que je les mette là. Ah, JR Santana, là, on est bon. L'Ethan, faut que je le mette. Kira, faut que tu le mettes. Face à Mitch, ouais. Ici. D'accord. Tu vois, Zawa, où il a été mis, ouais. Logiciel de con. Tu vois. Voilà.
Voilà, ok, donc. Là on est bien. Nathan Mitch, là on est bon. Maintenant il faut Selmo et Chain ici. Donc Selmo. Ouais, Kira a fini premier. Ah, donc Kira effectivement il a gagné. Il a gagné son bail. Et encore une fois, logiciel de con. Non, Kira c'est bon. Ouais, Kira c'est bon. Ah, c'est le mot, ouais. Tu vois, c'est Selmo et Santana donc, là, qui sont inversés, mais j'ai pas pu me faire ça à chaque fois. Oh là là. Ouais, mais on est d'accord, hein, la vieille technique du papier, elle bug pas, on est d'accord. Et moi, je fais comme ça à la base. Ouais. Mais vas-y, le logiciel, il m'a dit. Tu vois, et donc, tu vois, Jay, il faut que je le remplace avec Zelda. On est bon là? Ah oui, non, ouais, faut le mettre, ouais. Tu vois, et Santana, encore une fois, qui a bougé. Parce qu'il a le logiciel, il fait des bugs, tu vois. Donc Santana, je dois encore changer face à les airs. En tout cas, vous allez-y, hein, messieurs. Okay. Ouais, vous allez-y, hein, vous allez-y. C'est, ok, ça, bah c'est parti. Voilà, ça, voilà c'est juste moi. Non, t'inquiète pas, ça c'est pas diffusé, ça, t'inquiète. Voilà, t'inquiète. Du coup, derrière, je veux juste vérifier. Je t'en prie. T'as rentré le code du match? Oui, 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 il est là le match devant nous. Bon match, messieurs. Oui, là, totalement. Bon match, bonne chance. C'est un duel de grosse pointure là. Alors c'est bon, on a le game. Pour le challenge, c'est bon mon petit Giovanni. Ouais, je crois qu'on est. Attends, je crois que c'est bon, hein. C'est le Mouché. Ouais, c'est bon, on est bon. Alors attends. Je pense qu'on est bon. Je te l'affiche là, comme ça au moins. Après le challenge, tu peux l'enlever en vrai maintenant. Parce que j'ai pas envie qu'il me fasse des dingueries le challenge. J'ai pas envie qu'il me fasse des dingueries. Maintenant, t'as fait le truc. Alors, j'ai fait pour les matchs des mecs. Ouais. Par contre, je peux juste retirer. Parce que là, elle passe en live la fenêtre du champ. Non, t'inquiète pas. Ça, c'est pour en vrai, ça, c'est pour nous. Mais... Il a mis une autre fenêtre. Bon, sinon, Chamix, t'as ton nouveau tel. J'ai pas de nouveau téléphone, frère. J'ai récupéré un vieux téléphone. Il attend un petit peu. J'attends un petit coup de pouce du destin. Voilà. Pour pouvoir me racheter un iPhone parce que c'est dur la vie. Allez. Tu peux demander à Vanille qu'il enlève ça, s'il te plaît. Parce qu'on va juste. Non, mais je crois que c'est le dernier message. Oui, parce qu'on voit... Non, mais c'est pas de ça là. Ça, qu'il enlève. Ouais. Vanille, tu peux enlever la petite. Ça, le petit bloc-notes. Ouais, vas-y. Voilà, parfait. Merci. Allez. BJ qui est bleu et Zélia qui est rouge. Allez, le drip fou. Voilà. Allez, viens quel ballon. Il a pas ça tout bas ça. Il longe la ligne. Le tout bas ça. Drip fest face au Shingir. C'est des. Ouais, là c'est du rouge. Hein. Là c'est du A50, on rigole plus. Là on rigole plus. Merci Pilar, mais j'ai le S8 là que le TARP m'a fourni. Ah, on voit pas le challenge, d'accord. Donc voilà, je fais avec. Hein. Mais merci d'avoir proposé. Hein, merci. Merci Tagot pour les RT. Hein. Allez. Zélien qui commence direct à mettre la pression sur BG là avec le tir. Et ça rentre dans la surface, ouais, premier tir de Tsubasa. Expédition 342 d'intensité. 32-10, je prends. Fais-moi une offre en MP, Tag, il n'y a pas de problème. Tu veux le nouveau ou l'ancien? Parce que maintenant, il y a un nouveau 33-10. Non, moi, je veux l'ancien. Ah, d'accord. Celui, ouais. Quand tu le fais tomber, c'est une parterre qui se passe. Il y a un trou. Il y a un nid de poule qui se forme. Allez, arrêt du Waka. Shimazu. Allez, récupération de BG. C'est parti pour le Nita 97 face au Mizaki bleu World Youth. Avec deux SP défensifs A50 toutes les deux. Et là, on a du A50, A50 et un S9. Le full power de BG activé. Allez, le crit qui va passer et le tir X. Du faucon. Allez. En fait, ce tir là sur ce Nita, je trouve qu'il est vraiment traître.
Il est optimisé. Parce que il est assez optimisé. Ouais. Nita, ce Nita-là, malgré qu'il ait des spé défensives, enfin, il a une interception en spé principal et un dribble, il n'est pas de shoot, il est très bon en shoot. Et du coup, avec ce tir AEX, c'est vraiment pas mal. C'est traître, il est traître. Il est traître parce que tu as beaucoup de gens. Mais c'est, mais c'est un bon rapport. Puissance. Stamp puissance. Le coup de poing pour le Wakashimazu blanc qui passe. Mais des fois, tu as beaucoup de gens qui ne qui prennent pas au sérieux le shoot. Ouais. Et des fois, tu as plus de choix. Et qui sont très en traître. Allez, le Hakai, ça ne passe pas. Enfin, ça passe plutôt. Et c'est réceptionné par le Mizugi. 97. Et c'est reparti pour Biji. Ah non, l'attaque avec le Roberto face au Hakai bleu ou rouge. Il y a juste le tac qui n'est pas monté, qui n'est pas assez monté, mais bon, il y a un autre tac S30. Le Roberto est bien monté par contre. Allez. Diomètre d'élève. Et match nul. Match nul. Ça a failli passer. Et récupération de BG avec le Tsubasa Dreamfest. Ça va rentrer dans la surface, ça va tirer, mettre la surface de réparation, critique, argent. Le passif va s'activer aussi pour Wakashimazu Dreamfest bleu. Est-ce que ça va suffire, le crit argent? Et ça passe. Et ça passe, ça passe. Le premier but pour BG. 1-0. Mais rien n'est terminé. Non, ce genre de match là, c'est ouais, super serré. On est d'accord. Hein, là, de toute façon, c'est que Xélien, il a des ressources. Oui, et en il est capable de revenir au score. Ah, mais tu sens, n'empêche que les gars sont peut-être concentrés de ouf parce que ça fait 5 minutes, il n'y a pas eu un seul message. Ouais, même sur le chat. Dans le chat, c'est. Allez, hop. Attends, ils sont le 70, les frérots. Hein. C'est bien, tant mieux. Allez, le Shingir. Il reste encore du temps avant la deuxième mi-temps. Donc, Xélien peut tout à fait revenir. Par contre, ce sera sûrement la dernière attaque avant la mi-temps. Si attaque A. Allez, la passe. Passe jaune à 50. C'est gold, donc ça devrait passer sans trop de problèmes. Non, c'est juste qu'on se... D'accord, merci Ivy. Ah. Allez, tir du tigre fougueux scellé. Mais il a la tempête qui lui reste. Dribble en ligne droite ou passe du tigre. Et pour notre AK, il a toute l'artillerie lourde. Je pense que là, c'est le tir qui va être utilisé parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, là, oui, c'est le tir. Donc, là, il n'y a pas le temps de faire des 1-2. Concrètement, il n'a pas le temps de tergiverser, mais. Allez, le crit argent. ORN qui saute. ORN qui saute. Loulou qui dit Misaki super sub vert, je l'aime, nous aussi on l'aime. Loulou qui confond le chat du stream avec Discord, je crois. Ouais. Merci Loulou. Allez, que va nous faire le Wakashimazu rouge ou World 87? C'est l'une des dernières attaques avant la mi-temps. Allez. Attention le crit, est-ce que ça va passer? Ça peut. Et non, attention. But. On sait jamais, il peut avoir un poteau. Hein. Il faut attendre. Ce tir-là, il a 95% de chance. Ah, il a 100% celui-là? Ah, d'accord. Très bien. Il semblait qu'il était à 95, mais ouais. Ah, d'accord. Très bien. Et ben voilà. C'est... Autant pour moi. Et ben, 100%. S'il passe, s'il rentre, il n'y a pas de poteau. Le Tamé Langlois, joli but. Bah, viens, Loulou, viens. Il n'y a pas de problème. C'est bien qui fait voler le symbole de la fofo, encore un trait de plus dans cette conf. Et d'ailleurs, égalisation, on ne le dit pas. Égalisation juste avant la mi-temps. Un partout. Là, Nico, Zélien, il est plus que focus là, du coup. Voilà, ça fait un néo-tir du tir. Néo twin shoot. Juste avant la mi-temps. Histoire de fatiguer un petit peu le gardien. De toute façon, c'est de bonne guerre, je trouve. Ton frère.
Allez, un partout. C'est bon, c'est bon. Ouais, j'espère que t'as ton t-shirt. Hein. Ça va ? Allez, Oren qui a oublié le passif du Yuga Stormy. Ah ouais, il a un passif. Il a un passif, c'est un tueur de contre. D'accord. C'est un tueur de contre, c'est-à-dire qu'il gagne 5%, il me semble, si en face... le défenseur fait une technique de contre. D'accord. Ah, parfois ça passe avec le bon choix. En tout cas, voilà, c'est un match très 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 serré. Ouais, serré. Ça joue bien. Ça joue bien pour l'instant. De toute façon, là, ça y est, c'est maintenant. Hein. Maintenant, c'est des matchs très 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 serrés. J'ai envie de dire, faut que tu gagnes parce que t'as été dans ma poule. Et j'ai envie de dire, faut que tu gagnes parce que t'as été dans mon assaut. Zélia et l'État, ils ont décidé de partager un Badjak pour deux. Combien de voix Badjak, c'est qui? Ah là, bah t'as le salut de Evie. Evie, elle m'a vu passer un gros coup. Ouais, t'as voilà. Vu passer. Il a dit quel homme. Par contre, Nico qui dit Zel et l'État, ils ont décidé de partager un cuir chevelu pour deux. C'est marqué là. Tout est écrit là. Zel et l'État, ils ont décidé de partager un cuir chevelu pour deux. Ça va encore, moi. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Quel homme ce Badia qui a dit. Allez. Les changements. Incroyable. Allez, c'est parti. Zélien qui te fait la mise en jeu. Le Shingir. Face au Roberto qui n'a aucune spé défensif. Donc ça va passer easy. Voilà. Badia qui dit ouvre ta veste pour montrer le t-shirt coco. C'est fait. Avec le Napoléon. Ah merde. Allez. La passe jungle. C'est pas tactique là. Allez, Zélien en face de la surface de réparation. Le Yuga Drifes face au Wehran potentiel bleu. Allez, est-ce que ça va tirer? Ah, le wifi, pardon. Faut juste accepter, dis oui, oui, oui. Allez, bah Jack, tire. On va voir le chat, il y a des messages pour toi. Oh, hello Eran qui l'arrête. Là, t'es en train de voler la vedette. T'es en train de voler la vedette au match, là. Voilà. Allez, on est 70, ça fait plaisir, les gars. 70 sur le chat, ça fait plaisir. Allez, le Naturezza, Dreamfest, face au Miyazaki. Qu'est-ce que va faire notre ami Bidier? C'est Bidier la game. Ouais, exactement. Eh non, ça passe pas. Il voulait faire la super lune 2, le dieu de rêve. Et c'est récupéré par Zélia. Shingir face au Tsubasa Dreamfest. Il n'a qu'une interception, le reste. Bah, ça va partir en dribble. Dribble jongle. Pour assurer le coup. Allez, pas de crit. Pas de crit. Ah, Zélien qui décide de tirer, de passer la seconde. Il veut passer devant. Un petit peu, ouais. Ça parle easy pendant le match. Non, mais ça, c'est, voilà, ça montre l'état d'esprit de tout le monde. Exactement. On est vraiment dans un très très bon délire. Ouais. Et franchement, c'est plaisant à voir. C'est clair. C'est clair. Allez, c'est arrêté par Wakashimazu 87. Et c'est relancé par Matsuyama. Le Miyazaki. Et non, ça passe au-dessus de sa tête.
ça arrive sur le Natureza Dreamfest face au Wakai. Est-ce qu'il va retenter un duo de rêve ou est-ce qu'il va tirer les plus très très loin des buts? Ah, ça peut jouer un coup de brain là. Ça peut tirer, ça peut clairement tirer là. Non, ça fait le 1-2 et ça passe. Ça va aller tout droit vers le Shimazu Dreamfest. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça, un Shimazu Dreamfest. Hein. La Shimazu Dreamfest et un Shimazu 97. Allez. Le Shimazu est énervé, eh oui. Il est énervé, ouais. Budget qui est en position, oui. Très bonne position. En plus, il a le passif plein de puissance, plein gaz, crit argent. Elle est stylée, sa frappe avec les arcs-en-ciel. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Ah, c'est... Tout ça avec l'arc-en-ciel et tout, c'est tout. C'est miraculeux. C'est... Parlons c'est d'arc-en-ciel, si vous pouvez y en avoir un là. Ouais. Ah, et bah non. C'est deux argents, deux silver, on va voir. Ça va rentrer en plus, ouais, comme Loulou il le dit, Natu ça, ceinture de Jap. Ouais. Donc ça aurait pu jouer en la faveur de Natoreza, mais voilà, bon, Kashimazu qui s'en sort vraiment très bien. Corner pour Biji. Corner, donc. Corner pour Biji. Toujours une situation inconfortable toujours pour Gélian pour l'instant. Là. 22e minute, on a la moitié de la deuxième mi-temps. Voilà. Donc je rappelle pour ce match-là, à partir de maintenant, tous les matchs, s'il y a un match nul, ça va jusqu'au prolong et après, les tirs au but. Allez, le tir, vu qu'il est spé angle. Non, c'est non. Le, si, c'est le Dreamcook qui est spé angle. Il l'a pas celui-là. Enfin, la TS, elle l'a. La TS elle est spé angle. Si, la TS est spé angle. Shimatoz. Peur de Walou, le Natu. Ou Shimatoz, c'est comme tu veux. Attention. Allez. Ah si son tir est spé angle, ok, autant pour moi, autant pour moi. C'est arrêté. Allez. Ça revient encore sur son BG qui lâche pas la pression. Ça arrive sur le Dreamfest qui va avoir son passif maître de la surface. On est à la 26e minute. Est-ce que BG va prendre l'avantage sur cette action? Oh, la comparaison entre Natoreza et Issam Jemaa. Nico qui dit quoi, Issam Jemaa? Ah, carrément. Eh, c'est le joueur qu'il fallait. Oh là là. Allez. Ah, la caméra, vous pouvez voir un des plus grands monuments de la Fofo. Badiak. Nouveau patron de la Fofo. Ah, le tir qui n'est pas passé. Ah, le Ken, il est chaud. Il est très très chaud. On est à la 30 à peu près, je crois. Non, le combien de tièmes arrêt au point qu'on a vu? Ah, bah. Il fait que ça. Tous les arrêts. Parce que, en fait, c'est une spec qui prend pas beaucoup de stam, donc tu peux le faire beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois, exactement. Beaucoup trop de fois. C'est pour ça que le personnage rend fou. Alors? Ça a dû être un match de ouf quand même. Ça a dû être. De toute façon, à partir de maintenant, c'est que des matchs de ouf. Hein. On a vu les matchs là, c'est que des belles affiches. Hein. Que des belles affiches. Quoi? Mais non, non. Bah, tu vas monter, non? Allez, tu t'occupes de celle-là. J'ai galéré de jouer sur ça. Passe. Oh non, ça passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Allez, Zélien, à son tour, balle perforant, va vers les buts. S30. Ah, ça, c'est une des spies que je kiffe sur Yuga. Elle est vraiment très très belle. Elle est jolie, ouais. Allez, 38e minute, toujours un partout. Toujours indécis comme match. Indécis. Alors qu'il reste 5 minutes à la peine. Il reste. Voilà, quasiment. Ouais. Cette interception blanche de Kaye, t'as vu Seb? C'est incroyable. L'interception du Yuga. Insane. Allez. Ah oui. Ah, ça passe, attention! Ça passe! Balle de match, et oui, mon petit Seb!
Tu l'avais prédit, balle de match 1-0. Attention, ben, elle est terminée encore. Il reste 5 minutes, donc à dernière attaque pour BG. C'est chaud là, c'est très 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 chaud. Allez, ça va jouer maintenant. La moindre petite erreur va se payer très cash maintenant pour BG. Allez, Roberto face à Shingir, interception. 41e minute. Ça tire de loin, pas le choix. Ah bah oui, Loulou, là c'est clair que là, t'as plus trop le choix. Joue la win, non, allez, full power activé pour BG. Le dribble crit gold. Voilà, stop de Shimazu. Pour l'instant, c'est Zélien qui rejoint les quarts de finale. Allez, le tir de la dernière chance pour Roberto. Crit gold. Crit gold. Est-ce que le Wakashimazu infranchissable va faire le taf? Ah ouais, carrément, ça éjecte. Depuis quand ça éjecte? D'accord, ça éjecte. Ça éjecte, d'accord, pourquoi pas. Allez. Pas de crit. Pas de crit pour Wakashimazu. Pas de passif. Pas de passif activé. Est-ce que c'est l'égalisation? C'est l'égalisation à la dernière minute. Mais quel match! Quel match! Quel match, bordel! Bravo, bravo BG. Bravo les gars. Bon, bravo. Allez, prolongation. Prolongation. BG qui n'a pas laissé. Qui s'est pas laissé faire. Qui a bien joué. Là, c'était bien joué là. Le dribble plus le tir derrière, bien joué. Tu la sens la sueur là. Ah ouais, là c'est... La température elle est montée de 2 ou 3 crans. Non mais franchement ouais, cette soirée, les matchs streamés, on a eu des bons matchs très serrés. Hein. C'était très 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 serré. Hein. Allez. Je rappelle, je crois qu'il n'y a pas de. À la mi-temps de prolongation, c'est direct, il n'y a pas de. Tu vois, de... Oui, les changements, ouais. C'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Non, maintenant qu'il doit faire. Demande à l'État si ça ne lui rappelle pas de mauvais souvenirs, Loulou. Loulou, qui te dit, regarde, demande à l'État si ça ne lui rappelle pas de mauvais souvenirs. Le fléau de la forêt, c'est BG. Voilà. La kryptonite. Allez, c'est parti. C'est bon? Merci Salim. Salut, merci. Merci Salim, merci d'être venu. Ça attrape sur Twitter. Allez, le Shingir qui est quasi full power, hein. Full stamp. Face à Yuga qui n'a aucune spé défensive, donc ça va passer easy. Ok. Donc là, c'est quasiment une balle chacun. Donc, première à attaquer, BG. Le dribble B50. Il passe easy, normal. Il a un passif anti-fofo, c'est pas possible. Ouais. Allez, le Shingir. Il a passé au Yuga vers World Juice 87. Face à un tueur, hein, Yoshizaki qui est quand même assez balèze quand même. Hein. Oh, bien joué, le contre qui prend. Allez, récupération de Zélien qui passe vite à Shingir. Face au Matsuyama, Rimpo qui a monté sa stam. Le cri de Rimbo de Zélien juste avant la mi-temps de la prolongation. Est-ce que ça va faire la diff? Est-ce que ça va faire la diff? Beaucoup de bœuf. Est-ce que ça va suffire? Ça passe. Pas maintenant, Zénia, pas maintenant. Attends un petit peu avant d'y aller. Oh là là, pas de crit, ça va sûrement rentrer. Et oui, ça rentre. Zénia qui prend l'avantage.
Zenia qui prend l'avantage. 3-2. Quel match, les amis. Quel match qui reprend encore l'avantage. Voilà. Allez, balle pour Bidji. Pour la deuxième prolongation, malgré que ça va être Zenia qui aura le ballon. S'enchaîne direct, j'étais pas prêt. Ah non, c'est direct. La prolongation, il n'y a pas de pause. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps. Là. Faut que ça carbure. Allez, Zenia qui a le ballon. Est-ce qu'il va creuser l'écart? Est-ce qu'il aura le temps déjà? Ou sinon, est-ce que Bidji va avoir le temps de récupérer et vite monter et égaliser avant une éventuelle séance de tir au but? En tout cas, on a c'est un très très bon match. Très très bon match. Dans le suspense, dans le scénario. Beau jeu. Interception. Bidji qui l'intercepte. Il fonce. Il met le full power. Il fonce vers les buts. Il a une armée de Jap devant lui. Le Matsuyama, le Hakai et le Mizuji. Très certainement, il n'y a pas 10 000 choix à faire là. Il ne faut pas tergiverser. Il ne reste pas beaucoup de temps. Malheureusement, il n'y a pas 10 000 choix à faire. Et croiser les doigts en même temps. Croiser les doigts et croiser la Saint-Crit. Le Saint-Crit. Il décide de faire quand même le 1-2. Pourquoi pas? Le 1-2. Il est full power. Allez, on va voir. Crit argent. Si ça passe, ça peut faire un grand danger pour Zélien. Et ça. Oh, bien joué le Mizuki. Le Mizuki, il est là. L'effet voyage au Japon, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Allez. Le compte. Attends. C'est fini. C'est terminé. Bravo, les gars. Très, très bon match. Très, très bon match, les gars. Bravo. Merci pour le spectacle. Bravo, Zélien. Bravo, Bidji. Zel qui va. Oui, victoire de Zel qui va. Alors, Zel, tu vas jouer contre Jet of Offstream. Ouais, je sais, c'est normal. en même temps, donc Zawa et Chain. Sur le stream? Ouais. Ok. Encore un bon match. Donc, Jet, on le rappelle. Jet, il n'a pas lâché l'affaire. Bah non, parce que les deux sont ensemble. Bah, qui n'a pas la chèvre, ça veut qu'il joue encore son titre. Ah non, non, vous dites encore en jeu. C'est bon match, c'est belle ambiance, ouais. Ça va arriver, ça va monter crescendo, Seb. GG, bon match. C'est Shane ou DJ? Non, Shane. Shane. DJ. Ah bah, autant pour moi alors. Shane. Zawa Shane. Donc Shane, que je rappelle, qui a gagné la première fois 5-4 par Paris. Ouais, attends. Kira. Kira il joue contre qui? Kira il joue contre soit Mitch, soit Nathan. Qui a gagné? Mitch a gagné. Ok, bah tu joues contre lui directement. Tu peux aller. Il a gagné combien? Merci. Vous montez y aller. Là je pense qu'on va en faire un beau match. De toute façon, c'est le code. Dès que c'est bon, ouais. Alors le code, est-ce que vous l'avez? Ouais. Donc ça c'est le premier carré final là. Deuxième. Non. Donc là c'est le premier quart de finale. Là c'était le huitième là qu'on vient de voir. Le huitième, d'accord. Okay. Allez, j'ai le bouton sur le bouton ban. Zawa, tu perds ta gueule de fer, il te ban. Oh là là, la pression. Regarde, c'est écrit là. C'est écrit, hein. C'est écrit, c'est screen. Zawa. C'est screen, hein. Zawa. C'est screen, les gars. Le screen. 933. Combien? 437. Merci Zawa. Bon match les gars. Offrez-nous encore un beau spectacle comme on vient d'avoir avec Zélien et Bidji. Allez. 852 000 contre 888 000. Je suis le chef de compte malgré qu'ils n'ont pas voulu me virer. Ah parce que t'es encore des mois. Allez les gars, on va faire un beau match. Donc il ne reste plus que 3 matchs en fait. Là c'est encore 2 derniers. Enfin 2 minutes.
Donc il nous reste encore deux matchs. Après celui-là. Viens chez moi et je te vire cette. Est-ce que Zawel vient à gauche? Oui, c'est bon, parfait, c'est l'UFC Dream. C'est l'UFC Dream. Zawel, c'est Dream. Allez, bon match les gars. Bonne chance. Ça te va toi la caméra en bas? Moi, ça me va très bien. Okay. Ouais, ça me va très bien. Allez, Zawa, qui la passe tout de suite à duel de Roberto. Duel de Roberto. Première offensive de Roberto. Allez, le 1-2 de Roberto et de Tsubasa. Il y a du debuff, hein. Il y a du debuff, laisse tomber. Hein. Ça arrive, ça fonce dans les buts de Wakashima. Wakabashi, pardon. D'ouvrir le bal. Pas de crit, malheureusement. Shane, stop les Bazawa, ça fait plus de 800 jours qu'on veut le ban. Ok, pas de crit aussi. Pas de passif pour le Waka. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Ça passe, je veux dire, ça s'arrête plutôt. Allez, ballon pour Shane. C'est parti. Shane qui relance. Qui relance avec Kazuo. Le Tachibana 97, Kazuo. En tout cas, la relance, elle était énorme. Hein. T'as vu ça? La relance avait déjà traversé toute l'équipe. Et... C'est ça. Donc il a un dribble, une passe. Donc il peut l'arrêter. Le Matsuyama. Là, Genko. C'est coup de brain. Hein. Coup de brain. C'est... Là, c'est que des coups de brain. À qui fera le bon choix. Voilà. Oh, super tac, magnifique. Là. Allez, c'est reparti pour Zawa qui va attaquer avec le Shingir. Face encore à Matsuyama Dreamco. Voilà, encore un coup de brain. Duel de brain, c'est un jeu d'échecs. Ouais. Oh, tu as bien mis la caméra bien petite, c'est bien. Parfait. Parce que tout à l'heure, elle était un petit peu grosse, mais. Bon, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Vu sur le chat, personne n'a rien dit. Donc Zawa qui prend à nouveau le shoot. Mais là, par contre, sur ce coup-là, ça a touché. Et là, le passif de Waka, du Waka de Shane sera activé. Voilà, avec zone de sûreté. D'ailleurs, c'est le seul Waka bleu du jeu. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, le seul Waka bleu du jeu. Alors, n'oublions pas que c'est monsieur. Bonne soirée. Merci d'être venu. Très bien, les gars. Et merci d'être passé. Merci à vous d'avoir participé, les gars. Merci. Allez. Shane qui attaque. Qui se déporte sur le côté. Qui veut étirer le jeu un peu. Exactement. Roberto face au Tsubasa Nankatsu et face aussi au Ishizaki 80 non, Dream World Cup. Non, World Cup 90. T'es sûr? Ah ouais, c'est le World Cup 90. Allez, balle pour Zawa et c'est reparti. On est à la 20e minute, première mi-temps. C'est World Cup. Ouais, c'est World Cup. Et intercepté par le Shingir. Attention, il la part tout de suite. Ça rentre. Est-ce que Shane va ouvrir le score? Roberto. En tout cas, ça a été joué très intelligemment. Ça a été joué rapidement aussi. Rapidement. De façon très intelligente de la part de Shane. Ouais. Allez, est-ce que le Waka va nous faire encore un petit miracle? 472, c'est pas mal. Pas de crit, normalement ça devrait être arrêté. Normalement. Que, Je me dis normalement. Avec ce jeu, ouais, il y a. Ouais, voilà. Ah. Non. Voilà. Vous avez bien dit normalement. Vous avez bien dit normalement. Ouverture du score de Shane. Ouverture du score de Shane. Après, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça a été une grosse erreur de la part de notre ami Zawa. Il a fait une passe dans l'axe. Passe dans l'axe interdit. Allez. 15 minutes avant la deuxième mi-temps. Enfin, avant la pause, pardon. Allez, Roberto contre Roberto. Zawa peut faire une dernière attaque avant la mi-temps. Il a le temps.
Maintenant, on va faire les bons choix. Il y avoir un petit peu de luck. Allez, voilà. Le full power de Nawa, le full power de Shane. Ils veulent utiliser leur full power bien avant la mi-temps, ils ont raison, puisque normalement, t'en as un deuxième. Oh, et match nul. Le Crit Rimbo qui fait match nul. Et c'est récupéré quand même. Il y a toujours le ballon. Il passe à Nambassa. Nambassa face à Akai qui lui scelle son tir de la feuille morte. Mais il lui reste le Santanator, la Golden Duo et la passe feuille morte. Et c'est un tueur de japonais. Et notre ami Akai est japonais. Japonais. Voilà. Allez, le Golden Duo. Rimbo, pas mal. Pour se rapprocher des débuts le plus possible. Pour mettre la pression à Shane. Ça touche mais ça passe. Allez. Dernière action avant la mi-temps normalement. Non, il reste encore un petit peu de temps. Allez, les full power, tir de la feuille mort. Crit silver. Allez. Non, c'est bon. Donc pas de passif pour Shane. Ah si, il a le passif. Autant pour moi. Il a le passif. Normalement, ça va être arrêté. Normalement, oui, ça va être arrêté. Il a le passif, ça va arrêter. Allez, balle pour Shane pour finir cette première mi-temps très serrée. Malgré la petite erreur de Zawa. Allez, mi-temps. Hors-jeu, pardon, excusez-moi. Non, hors-jeu, c'est hors-jeu. Ça tient un petit hors-jeu. Allez, Zawa. Jingo. Là, on joue pour une place en demi-finale, les frères. Demi-finale. Là, t'as pas 10 000 choix. Ça, c'est tir. Avant la mi-temps, vaut mieux tirer. Il n'y a pas possibilité avec 3 minutes de faire une passe et un tir. Tu peux, mais tu perds du temps. Donc là, t'as 43. Quand tu 43 fais la passe, il y a des joueurs qui ont des passifs qui permettent de déclencher une technique spéciale quand le ballon passe sur eux, en fait. Sans qu'il y ait duel, tu vois. Parce qu'après, j'ai vu, il y avait une possibilité, il y avait un tir, les joueurs étaient assez éloignés. Ouais, mais en fait, quand tu prends le risque de faire une passe, 1-0, toujours pour Shane. Tu sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Rien n'est perdu pour Zawa. Risque de te faire intercepter, du il reste coup, du temps. De tout perdre. Malheureusement, c'est Shane qui va reprendre le ballon. Parce qu'une frappe aussi loin. Non, mais je parle pas d'accord, ça a du mal. Ah, mais rien, non, mais rien n'est normal dans Tsubasa. Rien n'est normal dans Tsubasa. L'arrêt blanc. Le facteur RNG il reste vraiment très très important. Niveau stable, Waka, il en est ouf. Il est sur le banc hein, là. Voilà. Là, on a l'info qui vient de fuiter là. Remplacement. Ouais. C'est très très tendu. Le remplacement. Match pour une place en demi-finale. Franchement, je suis content parce que tous les matchs sont bons. Franchement, on a des bons matchs. Ça joue bien, c'est très serré. Je suis très content. Très, très content du niveau des matchs. Là, j'ai dû perdre au moins 5 kilos de sueur. Là, c'est douche tout à l'heure, c'est douche direct. J'enlève le maillot direct. Ah, t'es content d'être en maillot de foot là. Hein. C'est clair. Allez, deuxième mi-temps, c'est reparti. C'est Shane qui donne le coup d'envoi. Alors, juste rappel, le vainqueur jouera contre soit Santana, soit Lonzade. Ok, voilà. Donc, le vainqueur de ce match jouera contre soit Lonzade ou soit Yu Santana. Notre Yu Santana national. Voilà. Celui qui a eu le la Turezza LR sur un ticket R. Ça restera toujours dans la légende. Ça. Et aussi sur. Il a aussi eu le Tsubasa Dream Fest. Il lui restait que 15 dB sur des singles. Un braquage à l'italienne, ça. Ça, c'est le moment de légende sur YouTube, les frères. C'est le moment de légende. Ah, t'as eu un petit cœur de la part de ta Godfire, You. Voilà, un petit cœur. Voilà. Je crois qu'il a dû t'entendre. En tout cas, si t'as pas entendu ta Godfire, il te fait un gros bisou à Santana.
Ah oui, j'ai oublié de cliquer sur les... Non, mais c'est pas grave, oublie, continue comme ça, là, ça devient la débandade, ce stream. Non. Super, alors, magnifique. Petite fente au formage. Magnifique. Fente au fromage. Allez. Bah, il est juste derrière toi. Hop, 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 hop. Va tirer, il enchaîne Chain direct. Qui veut enfoncer le clou. Pas de crit pour l'instant. Pas de crit pour l'instant. On peut voir que Chain a fait rentrer aussi le nouveau Cruyff for Dreamfest. On voit pas assez souvent. On l'a pas vu souvent ce soir. Allez, le Wakan en moi qui devrait l'enlever. Oui, il devrait l'enlever. Et récupération de Zawa. Allez. Ah ouais, le nouveau Crayford que ta Godfire a chopé au passage. Au passage, hein. Une petite single dernière. Ouais, voilà, voilà, voilà. C'est single tombé du Kamtar, quoi. Oh, même les Barça, là, putain. T'as même pas fait le single sur les Barça. Allez, passe feuille morte. 100%. Okay. C'est juste pour ça. On a encore de la batterie. Normalement, ça devrait tenir pour les deux prochains matchs. Non, ça devrait tenir. Peut-être faire une petite pause vite fait et charger un peu le téléphone à 50-60%. Allez, tiers briseur du Crayford Dreamfest bleu, le nouveau. Allez, le Wakabayashi. Le Waka. Oui, c'est Wakabayashi, pardon. Qui devrait normalement l'enlever. Qui devrait l'en arranger. Malgré que ce soit bleu. Et oui. Encore repoussé par Zawa. 24e minute. Deuxième mi-temps. Toujours à zéro pour Shea. Qui la touche, mais qui la balle passe. Roberto, quel ballon face à Urabe 97. Tacle glissant tenace. Interception forcée contre Puissant, tout est au max sauf le tac. S. Ça pour cas, frère. Et ça tape dans le vent. Allez, le 1-2, maître et l'élève. Maître et l'élève. Ça va avancer. Est-ce que Zawa va égalisé, il a passé en retrait. Un petit misclic parce que je crois non, qu'il mais je pas crois ce qu'il non, voulait mais faire. Il avait pas, il avait plus de, d'endurance, il avait pas assez de stamina pour. Non, il voulait la passer, je crois, à Yuga, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais je pense qu'il était en jeu sur. Non, parce qu'il était revenu en retrait, le Yuga. Il était revenu derrière le ballon. Allez, il tente. Une 3. Qu'est-ce que ça de la part de Zawa, voilà. C'est... Ça passe et ça va rentrer dans la surface. Ça c'est une des spés les plus belles du jeu aussi. Ouais, l'interception de l'aigle, magnifique. C'est la première fois que je la vois. C'est la première fois que je la vois, l'interception de l'aigle. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Elle est magnifique. Allez, 36e minute. Ballon pour Shade. Ça joue sa vie là. Là, ça joue clairement sa vie, les gars. Ah, là, comme. Là, le. Allez. Le rythme, est... il est chaud. Ça passe d'un but à un autre direct. Il hein. N'y a pas de tergiversation. La petite tergiversation. Allez, le Roberto en full power qui rentre. Sur. La frappe sur même. La frappe sur. Crit Silver. Tire Silver. Je crois qu'aussi il est en full power, notre ami Zawa. C'est maintenant ou jamais. Soit il creuse l'écart, soit Zawa est encore vivant. Mais il va falloir se dépêcher. Crit Rainbow. Donc là, c'est le maintenant ou jamais. Qui sauve Zawa. Là, Zawa, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Il faut que, bien évidemment, il la récupère. Il la récupère. Il faut foncer. Là, il n'y a plus de... Ah, le misclic. Ça fait mal. Ça y est, ça fait mal. Ça y est, c'est les tirs briseurs, crit gold. Un bout portant. Un bout portant. Il reste plus rien comme temps. Dommage. Dommage pour Zawa. En tout cas, ça a été un bon match encore. Ça a été un très bon match. Très serré. Et ça rentre. Non, ça rentre pas. Mais non.
Il a posé le téléphone, notre ami Michel. Il a posé le téléphone. Allez. Allez, il va achever Zawa, malheureusement. Il n'a pas eu la chance de récupérer le ballon et essayer un tir du dernier espoir. Ouais, tout à fait, Loulou, ce qu'il dit. Au moins, entre copains, il n'y a pas de cheat, hein, de beau match. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'event. Bon, bah. Zawa qui aura fait son dernier match en ligne sous la bannière de Los Gringos. Et c'est le but. 2-0. Bravo, les gars. Bravo. Bravo. Bravo, les gars. T'as rien à te reprocher. T'as fait. Bah, un peu de misclic, mais. Ah, si, c'est vrai. C'est vrai. La première action, tu donnes presque le but. Ouais. Ouais. T'as dû faire attention. T'aurais dû faire attention. Vas-y. Non, les passes dans l'axe, faut faire attention. Faut faire attention, Zawa. Les passes dans l'axe comme ça devant la défense, faut être sûr. Faut être sûr. Je pense que 38% ça devrait faire. Ouais, ça devrait faire. De toute façon, avant la finale, je charge un peu. C'est bon? Vas-y. Ouais, j'espère que t'as kiffé. En tout cas, c'était sympa. C'est toujours agréable de t'avoir parmi nous, en tout cas. Zawa, il a fait un beau parcours, quand même. Bienvenue dans la fofo, Zawa. Tu verras sur Twitter ce cheat de merde. J'ai record la seconde mi-temps. D'accord. Loulou. Zawa, t'as été transféré, Zawa. T'as été prêté. T'as été... Ah non, transfert. Hey, sans... Merci. Merci, Reddy. Zawa, transféré à la fofo, frère. Non, franchement, t'as fait un beau tournoi. Mais là, t'as fait une petite erreur. Vous avez encore 2-3 minutes devant vous. T'as fait une petite erreur qui t'a coûté cher. Coup, là, tu peux retourner la caméra. La RNG ne t'a pas trop aidé. Vous l'avez déjà. Ah, on l'a déjà. C'est juste... Ouais. Ça t'a pas aidé. L'instant photo Instagram, mais ouais. Tu connais. Ah, là, c'est... Donc là, Shane est en demi-finale. On peut le dire. Il jouera contre de You contre eux. Non, c'est pas le match de You contre l'Obs. Ils veulent ça à 2-2 au Santana. Donc là, c'est en train de jouer. Le match est en cours. Vous êtes à combien au chrono? D'accord. D'accord. Donc pour l'instant, 1-0 pour le Z, ils viennent de commencer la deuxième mi-temps. Donc quoi, il reste voilà. On va dire 7 minutes. Et le vainqueur jouera effectivement contre Chain dans la foulée. D'accord. Derrière, donc, Zell a gagné 2-0 contre Jet. D'accord. On va le voir tout de suite. Donc il est en demi contre Kiran. Soit Mitch, le match est en haut. D'accord. Que des beaux matchs. Là, dans le match, il reste... Que des beaux matchs. Il reste, pense, 5 minutes réelles. Ok, et très c'est bien. Con, et c'est con parce que tu vois, challenge. Tu vois, encore une fois, on pouvait avoir Chien Zel dès maintenant. Ça gratouille un peu. Bah ouais, Là, sur le match, tout à l'heure, je n'ai pas trop parlé, mais dans tout le attends, j'ai changé un peu les téléphones. Si on peut gratter quelques pourcents. Je suis à 37. Ou sinon, au pire des cas, juste avant la finale. Voilà. Nanou, il est en haut. Ah oui, ça fait un bon moment que je n'ai pas parlé. Même Léo n'est pas descendu une fois. Si, Léo est descendu. J'ai vu une fois. De toute façon, au final, tout le monde descend. Ouais, tout le monde finale, descend. Même les demi, hein, là on a deux belles demi. Hein. Là, franchement, l'Oxad, pas mal. Hein. Très beau. Ah, après, outsider, surprise de cette édition. Franchement, c'est ça. Joueur de la version Jab. C'est la Grèce de 2004, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un joueur version Jab qui clairement crée la surprise.
Il a battu Mitch pendant les phases de poule. Ouais, on l'a vu. Bader, c'est un match qui a été streamé. Ouais, qui a été diffusé. Donc, non, très très belle surprise. Il joue sur une Jap, par contre. Ouais, il joue sur la version Jap. Non, c'est quelqu'un que je connais aussi, qui était venu aussi à l'event Takahashi, lors de la boutique, lors de la librairie. À la librairie, il était là. Il était là aussi à la Japan Expo avec Kay. On a passé une après-midi ensemble à la Japan Expo de l'année dernière, pas 2009, mais 2018. Bon, c'est un mec très sympathique, très, très gentil. Et, il fait des top 50 dans les Captain Games. Ah ouais, donc. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai rien dit alors. On a rien dit. Merci, Evie, de la précision. Et il a été bien formé. Donc, Nico, apparemment, il a dû le prendre sous son aile hein, au début, peut-être. Eh ben, ok, bah, merci d'avoir rétabli la vérité, les frères. Ouais, parce que c'est la première fois qu'on le voit IRL en fait. C'est la première fois. Tu sais, le online et le IRL, c'est pas la même chose. T'as pas la même pression. Là, t'as des gens autour de toi, t'as chaud, t'as une petite appréhension. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on attend que les derniers quarts de finale se terminent. Donc il ne reste plus que deux matchs à vous diffuser, les frères. Une demi-finale et une finale et remise des trophées. On a encore poussé l'Extra Life. Normalement, ils devaient faire 1-23. Mais grâce à leur gentillesse. Victoire de Mitch, 1-0. Contre Kira ? Ah, ça devait être plus vrai, ça devait être un match super chaud. Il y a eu une occasion au dernier moment, mais arrêté. Ah ouais, ça devait être un match de fou celui-là. Ça devait être un match de fou. Le Kira. Ok, donc là on a nos demi ou pas encore ? Ouais, bah là, tout ouais, il nous reste. Moi, je lui laisse 30 secondes quand même, tu vois. Ok. Ok. Je les avais braillés. D'accord. Alors, Loulou, il reste Zélien. Il reste. Mitch. Il reste Zélien. Mitch. C'est quoi les carrés là ? Zell ou Mitch en finale et de l'autre côté, Shane contre Santana ou Lulzad. Voilà les joueurs qui restent. Donc, il reste du beau monde. C'est chaud. Il a fait deux tirs dans le match. Deux tirs. C'est très bien hein, contre. De toute façon, ça joue. Ça... Depuis tout à l'heure, c'est que ça. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est. Là, ça ne joue à rien. Là. Depuis tout à l'heure, on stream des matchs, ça te joue à rien. Ah rien, là Zawel a perdu, bon il a perdu 2-0, bon, on va dire quasiment 1-0, mais ça va, t'es pas trop malheureux, Alors du coup, voilà. Mon pronostic, pour Mitch. Allez, on va dire peut-être Mitch, mais Zélia peut créer quand même la surprise, il peut quand même, il est assez dangereux. Il peut être dangereux. De toute façon, à partir de maintenant, c'est que des matchs où ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien du tout là. Donc, Kira Mitch, ça a donné quoi ? Ça a donné 1-0 pour Mitch. Voilà. C'est Nero qui a dit. Bah, c'est Nero. Voilà Kira, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il est là. Qui a fait un beau parcours quand même, quart de finale, très bien, très très bien, mais ça s'est joué à rien du tout. De toute façon, c'est que ça depuis tout à l'heure. BG a perdu 3-2 à la dernière minute. Voilà, non, c'est que des matchs extrêmement serrés. Amène la pizza, Kira Loulou. Amène la pizza. Voilà. Bon match à tous, on regarde. Donc voilà, donc c'est quoi ? Le premier qui est prêt lance la game. Allez, c'est parti. Ça n'a pas d'importance. J'arrive après. D'accord. Léo, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On est 56. Hey, les gars, sur Twitter, bombardez les tweets. On est sur les demi et la finale bientôt dans quelques minutes. Et sur la remise du trophée. Et voilà. Du coup, ils t'affrontent tout de suite dès qu'ils ont terminé le vainqueur de leur match. Donc là, dans la foulée. Vraiment. Aïe. Ok. Ah bah, eh bah ça sera Shane contre Lolzad. Lolzad combien ? GG les gars. 2-1. Ah pas mal, 2-1. Ça se fait jouer à rien. Bravo les gars. J'espère que Patrick il est titulaire. Ouais, il kiffe Nita mais. Nita n'est pas trop titulaire. Allez. Tout simplement. Bah, voilà.
simplement. Je kiffe. Non, mais c'est un aspirateur. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai récupéré à 43%, c'est bien. Ah ouais, je vous presse, mais... Allez, j'enlève le chargeur. T'as le jeu ? J'ai remis le jeu, là. Normalement, tu dois avoir... Parfait. Parfait. Quand vous avez le numéro, les frères, je vous écoute. Le numéro. Qu'est-ce que tu nous as fait comme petit cocktail, Mitch ? Là, il est en train de nous prendre le full. Rhum à l'ananas. D'accord. 93, 97. J'ai pas écouté les premiers. Non, 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 c'est 83, 93, 97. 83, 80. 8, 3, 9, 3, 9, 7. Oh là, attends, 8, 3. 8, 3, 9, 3, 9, 7. Après 9, 3. 9, 3. Regarde, il est là. Ok, merci. Et 3. Non, voilà, 9, 7, 9. Parce qu'il est compliqué celui-là. Hein. Il est compliqué. Allez. Demi-finale, Mitch, Zélien, la Fofo contre la North Face. Vous pouvez commencer quand vous voulez, les gars. C'est parti. Ils m'ont pas attendu. Bah, très bien. Très, très bien. Donc, Zélien est en bleu et Mitch est en rouge. Voilà. Zélien est à gauche, Mitch est à droite. Eh oui, gauche. Bonne chance, les gars. Allez, c'est Zélien qui donne l'engagement. Allez, le Tsubasa. Allez, normalement ça va dribbler. On va être tout passé. J'ai vu sortir les 20 secondes. Non, même pas. Oula, non, même pas. Dribble. Allez, la passe. Interception blanche. Interception blanche. Il n'a pas voulu utiliser sa stam. Plutôt intelligent de sa part. Allez, Shingir. Et le Yuga Dreamfest pour Zélien. Ah, il y a juste la passe qui a été scellée. Il a deux tirés, un dribble. Allez, le tir blanc. Allez. Et voilà la passe à Shingo. Le beau jeu comme on l'aime. Allez, Shingo qui fonce sur les buts de Mitch. Frappe et pas de crit. Ça, c'est pas de crit. Pas de crit. Allez. Le Wakashimazu qui va avoir son, du coup son passif. Tueur de joueur Asie. Il a l'avantage couleur en plus. Normalement, ça devrait être. Ouais, et ça revient sur dans les pieds de Jito et du coup Mitch. Oh là là, attention, ça touche, ça touche mais ça passe, ça touche mais ça passe sur le, ça va vite, ça va très très vite vers le vers les buts de Zélien. Allez, on peut voir que personne n'est en. Personne qui a en jeu, Mizugi couvre tout. Exactement, c'est ce que je voulais voir. Et il a super. C'est moi le grand Jito. Voilà. Allez, pas pour Yumikura. Shingo face au Jito. Vert. Oui, il nous a fait une passe. 152. C'est le seul Yumikura qu'il adore.
Mid versus Cell, ce match du cœur. Allez, Crit Gold. Est-ce que ça va se dans le match. Jusqu'à maintenant, on a eu quasiment que des gars ultra sportifs, sérieux, blocs. Mais c'est ça peut être une technique pour oui. Voilà. Ouais, bah bien sûr. Enlever la pression, enlever le un petit café, tranquille. Non. Le critique argent. Pas de chaud, frère, pas de chaud. Critique argent à full power aussi pour Mitch. Ouais. Et ça arrive quand même. Attention le rebond. Le rebond sur qui ça tombe, ça tombe sur Yumukura. Ça tombe sur Yumukura. Mais je crois qu'il est tout seul, ou sinon il peut peut-être la centrer. Il va la refaire, ouais. Il va peut-être la. Il la passe direct. Il y a un joueur derrière. Il la passe direct à Roberto. Oh, Vasso, Dreamfest, Ishizaki. Ce retour défensif à la Bernard Mendy, moi je kiffe. Bernard Mendy. La rêve du parc. C'est Roberto en face. C'est ça. Allez. Niquer, comme il a dit. Ah non, mais Ishizaki il est tombé. Et encore, c'est pas le meilleur contre. C'est ça le cas. Ouais. Allez. C'est reparti pour Mitch. On est à 30 minutes de. On a déjà. On va mettre 30 minutes dans. Donc 15 avant la mi-temps. Les full power vont s'activer des deux côtés voilà. Normalement. Exactement. Bon, les full power devraient arriver même déjà. Est-ce que ça va lancer maintenant? Non, pas pour l'instant. Le tacle du World Boost 97 fait voler carrément le Tsubasa. Potentiel vert. Zelien qui récupère le ballon. Allez, sur Shingir. Face à Roberto qui n'a qu'un gros tacle. Allez, Yumikura Dream Festival. Ça va faire la passe sur le Yuga. Sur le Yuga. Absolument pas. Ah. Attends. Ah. J'y crois pas, j'y crois moyen. Ça va être l'une des dernières actions avant. Et ça met le full power. Ça met le full power. Bien devant. Shimazu. Crit argent. La tempête. Le full power qui va être l'une des plus belles SP du jeu. Mitch va activer le full power. Ça va jouer. Est-ce que Mitch va mettre le full power? Normalement, ça serait peut-être temps. Ça va se jouer sur le critique. Voilà. Ça va exactement. Ça va jouer sur ce critique. On sait que Julien a eu un crit. Oh, critique également. Donc là, ça tue le suspense. On demande la VAR. Arrêt du Shimazu sera un crit Rimbo. Allez, normalement ça devrait se finir à 0-0 pour cette première mi-temps. Match très serré. 41e. Ah, ça. Mitch va essayer une dernière action. Pourquoi pas? Il va l'avoir. Il va avoir sa dernière balle de première mi-temps. Il va passer Ishizaki. Bien joué ça. Le Top Gear, exactement mon Seb. Sur le brain. Ah bah. Non mais là il n'y a pas vraiment. Ah, je pense que ça va surtout dépendre du critique. Ouais. Parce que ouais. Il va faire le nouveau contre. Ça c'est ouais, vrai. Ouais. Ça va. Son contre enlève tout. Ouais. C'est le contre qui. Ouais, le contre qui fait passer. Il y a un critique supérieur pour moi, ça où il serait passé. Ouais. Allez, mi-temps. Match très serré. Ça se joue à rien du tout. Mais vraiment à rien. Alors en même temps, dans l'autre match, pour savoir, vous en êtes à combien, à quel score? 0-0 dans l'autre match. 0-0 aussi. C'est chaud là. C'est des matchs fermés. Ah non, mais là, ça va jouer à rien. C'est les crits là. C'est quasiment ça. C'est les crits. C'est les critiques. C'est les crits qui vont décider. Les crits vont décider. Critique, il suffit d'une mauvaise relance pour contre-attaquer. Exactement. Ça peut aller très un petit misclic aussi, ça peut aussi. Le doigt qui glisse.
hors-jeu. Un hors-jeu, exactement. Là, ça va se jouer. La mise, là, ça joue clairement sa vie. Allez, le Matsuyama. Super. Super Rambla en passant. Et le Marcus qui rentre. C'est Patrick qui décidera. Ouais, c'est ça, Lou. C'est reparti. C'est reparti pour. Mitch Kelbaum, exactement. Mitch Kelbaum. Oh, la belle fuite. Ça va direct lancer. Ça va lancer. Ça va lancer le Marcus. Là, ça va lancer. Bon. C'est la rampe de lancement. Le Mizuga, c'est une vraie rampe de lancement. Parce que généralement, il scelle l'interception de l'adversaire. Donc, forcément, la frappe. Non, là, il l'a passé parce qu'il n'a pas, il a pas d'interception. Roberto n'a pas encore d'interception encore dans le jeu. Il n'a qu'un tac. Allez. Tout à l'heure, t'as un Yuga qui a pris une. Ah, directement, ça, je te dis ça. Voilà. À peine il reçoit la passe, il est déjà. Attaqué, bien. Ouais. D'accord. Puis là, c'est bon, des buts. Tacle lent. La raison, on ne veut pas utiliser sa stab pour rien. Donc ils sont complètement cheatés, les frères Tachibana Dreamfest. Complètement cheatés. Ça sert à rien de. Allez, le Sawala qui va profiter de son passif, mettre de la zone centrale. S20 contre du A50. Ça va jouer là. Là, ça va être. Ouais, déjà, ça va jouer sur le brain. Ça va jouer sur le brain exactement, même si le Takahashi Park, la couleur n'est pas bonne. Et le critique, attention. Non, excusez-moi. Et le crit qui passe. Takahashi MVP, ouais. Ouais, mon frère. Allez. C'est Zenia qui récupère le ballon. Mais attention. Non, ils sont en jeu. Ils sont en jeu, les deux. Ah, ils sont en jeu. Il a monté. Ah, ouais, c'est leur jeu direct. Ça partait loin de tous les sons, je croyais qu'on était en mode Volta. Ça va être la récupération de façon pour Mitch. Ouais, ça va être. C'est sûrement la récupération. Ouais, je vais pas commencer. Moi qui ai match nul. Tacle blanc. On va pas essayer d'intercepter. Non, ça devrait être intercepté à S1 normalement. Ça devrait être. Il l'a fait. Il va la récupérer. Il a assuré le coup parce qu'il. Ouais. Sinon, ça pouvait faire match nul avec les contres. Exactement. Qui prend l'aile avec le Matsuyama du fest potentiel à capille à 50. Il est bien monté, le Hakai de Zena est assez bien monté. Le tacle à la passe, qui est passé complètement. Interception blanche qui ne fera rien. Mitch qui est devant la surface de réparation de Zeni en face au son Super Ishizaki 97 S30. Interception à 50. Là ça va partir en. Mais malgré tout, c'est n'importe quoi. Même les contres en intercepte S10. Bon, S10 elle n'est pas assez montée. Est-ce que tu penses que S30 ça serait passé? Si elle serait S30, S30 il y a moyen. C'est un moyen, hein. Mais des fois, ouais. Il y a beaucoup d'RNG de toute façon au niveau de ça, mais. Bon, en tout cas, on a un super match. Ça joue vraiment pour rien. Gros niveau. Ah, il prend tout. De toute façon, les deux Ishizaki, le 87 et le Dreamfest, ils sont complètement craqués. Hein. Ils sont complètement craqués. Allez, le tir pour le Shingir de la part de Zenian. Pas de crit. Malheureusement, pas de crit pour lui. Même des dribbles. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Lui. Récupération du. Du Shingir. Ah, magnifique ça va, je kiffe. Le contre-sprit glissant. Du Jito. Normalement qu'on récupère du Jito de Dreamco normalement. Ouh, ça va directement dans la surface. Il n'y a pas. Il n'y a
pas la volée. Il n'a pas la volée, malheureusement. Pourquoi t'as pas mis la pourquoi t'as mis le jump in flash? Ah là là, t'aurais dû mettre une volée quelque part, mon Mitch. Mon Mitch, t'aurais dû mettre une volée. T'aurais dû m'enlever l'interception du tigre et mettre une volée. En plus, elle est belle, en plus, la volée. Elle est magnifique. Ouais, amorti blanc. Comment ça devrait être récupéré par Gito? Avec le full ouais, foire. Ouais, en plus, c'est de gold. Allez, ça va aller sur le côté. 15 minutes. Full power de Mitch. Oh non! Oh, non oh, ça passe! Oh, ça passe! En jeu? Ah! Aïe, 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 tu vois? Ça se joue à rien! Ça se joue à rien! Ça se joue à une petite connerie! Hein. Ça joue à une petite connerie là! Et non, j'ai pas poule, le loup! On attend le Dream Clash de fin du mois. Il vieillit mal, Cavani! Alors, t'as pas poule? Non. Non, même pas sur le Dream Co. Non, mais, bah, il m'intéresse bien, mais si c'est juste pour remplacer des tests sur le Shingo World Cup, c'est un peu limité quoi. Allez, alors, normalement ça devrait passer. Je pense qu'il peut même la lancer directement sur le Margus. Ouais, je pense aussi. Margus, ah, il est couvert par Mizugi. Ouais, donc il est pas en jeu. On peut lancer directement sur le Margus, il reste 10 minutes avant la fin du match. Ça va jouer. Ça va passer, il va la lancer. Et Monsieur Bassin qui siffle en rejeu. Est-ce qu'elle va vraiment aller sur le Margus? Non. Ah, elle passe. Il lance sur la volée de Hubert. Allez, sur le Roberto. Roberto Akai, 38. Ça va sûrement partir en 1-2. En 1-2, je dirais. Ouais. S10. Ouais. Ça va partir en 1-2. Où sont les tirs? Il veut pas se prendre pas, la terre. Je pense pas qu'il tire là. Il est près de la surface. Hein. Je sais pas si. Ah, pas très loin. Non, il fait le 1-2. Et ça passe. Et ça passe en crit gold tous les deux. Mitch va foncer dans les. Il va sûrement la lancer. Ouais. Ouais. Il va lancer la lampe de rançon. Exactement. Allez, Margus. Le Mitch, il va avoir une occasion peut-être d'ouvrir le score sur ce match. Il va tirer ou assez fermé. Mais très bon match quand même. Ça va tirer. Il préfère tirer. Ça va tirer. Il a pris la décision de tirer comme avec le Roberto. Le Crit Silver. Crit Silver avec deux, juste par malheureusement deux buffs. Allez, le Waka Shimazu qui n'aura pas son passif. Les 15%. Est-ce que ça va suffire? À le percer. Normalement, ça devrait l'enlever. Attention. Ça devrait vraiment l'enlever. Ça l'enlève. Et la relance, attention. Ça sur qui ça va tomber? Margus, allez. Corner. Attention, Margus. Corner. Je ne sais pas pourquoi je chantais de Margus. Il est tellement grand, le Margus. Il est tellement énorme. Ça va être chaud, là. Ça va être... Non, mais là, ça joue sa vie, là, clairement. Là, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot. Takeshi. 41ème. Allez. De toute façon, ça, c'est une passe en finale que je joue. Ouais. Ah, ça va jouer sur. Oui, Yo Ishidaki face au Margus. Ah, la tête ah de S1. Ça passera pas. Ça passera pas. Le S1, ça passera pas. La tête plus longue en technique. Il aurait fallu que ce soit une balle haute à la rigueur. Là, il aurait peut-être une chance. Avec la balle haute, ça aurait pu jouer. La Mortigold, mais. Non, ça passera pas. À un moment, ça passera pas. Attends, avec le jour, c'est déjà. Non, ça passe pas. Je préfère le Shizaki. Oh, tout ça, on a vu des trucs de fou. Hein. Ça va en prolo. Et ça va en prolongation. Voilà. Alors, on a le résultat très rapidement. Oui. Chain a perdu. Oh. Il a perdu. Ouais, donc, on a un nouveau finaliste. Lolzad. Lolzad. Qui va finir au minimum deuxième. Ou. Bah oui, c'est ça. Minimum deuxième. Donc ça y est. On a le premier finaliste, Lolzad. Voilà, ça s'est terminé à l'instant. Ça a dû être un match très serré aussi. C'est combien? 1-0? 2-1. 2-1, ouais, bah. Très serré. Très, très, très serré. C'est match Ligue 1 Uber Eats, ouais. Uber Eats, Conforama, Domino's Pizza. Voilà. Ils ont bien à rallonge. Allez, le Mitch qui prend son petit full power. Ah, si on se tape une séance de péno, là, ça va être drôle. Bah, tu sais, à la japonaise, ça s'est fini au péno, le final. En fait, c'est fini au péno.
À la première édition de l'Extra, je crois que c'était la deuxième. Il y avait une des demi-finales qui avait fini au plus tard. La finale, c'est fini 20 minutes quand Chêne a marqué. Ouais, contre Monda. Finale, c'était chaud. Et en plus c'était Monda qui nous a une critique Rembo ouais. Sur la passe. Non, c'est un match de ouf. Le final, la finale de la dernière fois était belle. Parce qu'il a rendu la situation. Sawada, Roberto. Ouais. Il y a la finale, on est encore au demi, Xeco. Salut à toi. C'est le prochain match. Le prochain match, la finale. Voilà, dans environ 5 minutes, à minuit, à peu près vers la coupe de minuit. Le tir du Yuga. Normalement, à peu près. Allez, la tempête de la part de Zélien. Pas de crit. Prolongation, ouais. Il éjecte le Roberto. Où est-ce qu'il est? Il est assez loin? Non, pas si loin que ça. Ça va bien. Bien, hein. Bonne distance. Peut souffler Shimazu. Alors, est-ce que Shimazu, pas de critique non plus, pas de crit aussi, on peut souffler, hein. ça peut souffler, hein. Non, ça ne souffle pas. Toujours là, respectez Shimazu encore, il n'est pas encore mort les frères, on sait qu'il y aura quoi pour les 2 ans, alors là, on ne sait pas, déjà il y aura Halloween, il y aura les 150 millions de téléchargements je crois, un truc comme ça, et il y aura les 10 ans de club. Il y aura beaucoup d'événements qui vont arriver avant Noël. Allez, le tir du germanique du S1. Bravo, l'esprit germanique. S1, c'est très très bon. Allez, corner. De toute façon, ça va être la fin de la première prolongation. Allez, Shimazu qui prend aucun risque. Le Wakado. C'est récupéré par Zélien avec son super Jito 97. Eh, n'empêche, il l'a annoncé au début, les gars. Autant poser les manettes et aller au péno direct. Non, c'est prolongation, c'est. Ouais, t'as très peu de temps pour marquer en fait. Très peu de temps. C'est, en fait, il faut que tu marques sur la seule occasion quasiment. Et voilà, là il a tout dit. C'est quand t'as l'occasion, il faut que t'aies le crit qui va. De toute façon, les fouffeurs vont pas tarder normalement des deux côtés. Ça va s'unir au turbis, c'est vrai. Il y a des chances. Ah, pas sûr. S'il y a Zidane aux 2 ans, ça sera le feu. Ouais, bah, je pense que Zidane, ça sera pour l'année prochaine. Malheureusement. J'aurais bien la victoire de Mitch sur un but de Marcus. Allez, Mitch qui attaque avec son. Qui lance le Tsubasa sur le côté. Passe. Allez, le Tsubasa qui va peut-être lancer Marcus. Non, ça touche, mais ça n'arrête pas la passe. Marcus aux portes de la surface de réparation. Je sais, on le sait. On le sait. Allez, le Mizugi bien monté à part le tac, mais tout est très bien monté, le compte, l'interception. Alors il est S89. Ah ouais ? S99, donc. D'accord. Il a près de 800. On sait pas pour les 4 pour le tac. Ouais. Le tac qui l'enlève. C'est ça, hein, c'est le tac même qui l'a enlevé. Hein. J'ai même pas vu l'action. Ouais, c'est ça. Allez, il reste plus beaucoup de temps. C'est maintenant ou jamais pour Zélien peut-être de gagner ce match. Ou sinon ça va sûrement aller au tir au but. Je vois pas comment Mitch pourrait récupérer vite et marquer derrière. Ça semble très compliqué. Le seul qui peut peut-être marquer maintenant, ce serait peut-être Zélien, s'il va très très vite dans les... Il traverse très vite le terrain. Allez, la passe de Leg Gold, Critic Gold. Ça passe. Pour le Yuga, ça va être le dernier, le full power. Il n'y aura pas le temps de tirer. Ah, le duel. C'est bon. 14-54, dernière action. Soit ça marque, soit c'est penalty. Tir au but. Un voyage au champ, tu gagnes. Petite gold des deux côtés. Petite gold. J'ai tout de la récupérer. Ah ouais? Ouais. Oh, il a rien. Juste au coffre, coffre.
Respectez les coffres. Respectez les coffres. Bon, ça va au tir au but, les gars. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Laisse tourner le téléphone. Bon. Allez, tir au but. Il laisse le hasard. Il laisse le hasard. Il laisse le hasard. Les téléphones sont retournés sur la table. Allez, c'est parti. Il laisse le hasard. Ils vont essayer le CPU. Le CPU. Okay. Donc c'est le CPU. Voilà, les téléphones sont posés. En tout cas, c'était un match très serré. La RNG n'a pas fait son. Vite, il a un sourire et confiant. Attention. Mais oui. Premier but pour Zélia. Premier but pour Zélia. Les couleurs des maillots du goal, Avantage pour Zélien. Avantage pour Zélien. Comment ça? Ça prend pas ses responsabilités. Allez, ils ont toujours fait comme ça, l'occasion de creuser l'écart. N'empêche, les gars, ils sont installés tranquillou. La bilouze tranquille, au calme. 2-0. Allez, déjà le Margus qui a la pression. Allez, le Margus. Numéro 2 en plus. Margus numéro 2. Attention, ah, c'est bon. Mitch qui revient, Mitch n'est pas mort. Allez. Allez, le Tsubasa. Ça sent le poteau. Tsubasa. Kira dit le poteau. Oh, au milieu. Au milieu. Plein centre. Tu sais que plein centre, une fois, il y a déjà eu des poteaux. Hein. Ouais, il y a des poteaux, des centres. Des fois. Hein. Ouais. Des fois. Ouais, c'est... Ça arrive. Ils auraient dû. Ouais. Ouais, transverse à la rigueur. En plus, allez, l'animation. Ça passe 3-2. Allez. Zélien qui peut encore mettre une bonne pression pour Mitch. Le problème, c'est qu'il y a des poteaux. Allez. Shimazu. Ça, c'est bon. Allez. Si le bot de Mitch. Rat, c'est mort. C'est mort. Le téléphone, il vibre. Attention. Et c'est bon. Ça, il est encore vivant. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Tu vas offrir la victoire à Zélien ou pas? Zélien doit. Donc Zélien a une balle de match. Balle de match pour Zélien. Et but. Zélien en finale. Bravo les gars. Bravo les gars, Zélien en finale. Voilà. Par contre, Mitch, fais le match contre Shane pour la place de troisième place. D'accord. C'est super, je m'occupe. Ok. Ah bah ça finale. C'est la finale les gars, c'est la finale. GG le bot, GG. Attends, y a de l'eau? Ouais, je vais appeler les mecs. Ouais. Y a l'eau? Pardon. Où ça? Y a de l'eau? Ah ouais. Ouais, allez. Non, ça fait déjà deux fois qu'il se fait éliminer par les tirs au but. Il perd la finale à la japonaise. Allez, c'est parti pour la finale. Bon match, les gars. Bon match, ouais, bah ouais.
Bon match. Ça fait longtemps que je voulais jouer contre toi. Donc, eh ben voilà. Et eh ben voilà. Attends. Voilà, c'est bon. Comme ça, Letko qui va sortir un son du triangle avant la finale. Ah, je ne vais pas te mentir, j'ai une petite faim. Je vais pas te mentir, mais voilà. Bon, voilà la coupe, les amis. J'espère qu'elle vous plaît. Oula, d'accord. Tout à l'heure, on avait une fuite d'eau, une fuite de Navigo. Voilà. Je vous écoute pour le... pour les numéros. Le numéro gagnant. Très belle coupe. Merci, Loulou. C'est gentil, merci. Très belle coupe. Je suis pas Wesquet. Dans la finale. Ah, j'avoue. Merci d'être venu encore. Hein. Merci d'être venu, les gars. Merci, hein. Rentrez bien. Ok. Ok, sur le chat. 7, 8, 2, 0, 7, 7. Hop. Et voilà. Il y aura une Tsubasa Cup à Lyon. Je sais pas, Execo, je sais pas. Je suis pas de Lyon, donc voilà. Mon ami Chamix me rejoint avec son super cappuccino de la mort. Je sais pas comment il fait pour boire un cappuccino avec cette fournaise. C'est pour pas dormir. Voilà. Bon, est-ce qu'il y aura une Tsubasa Cup à Lyon? Voilà. Allez, la finale est... Si Bejito il le fait, moi je veux bien me déplacer. Bejito, il en a une idée de faire un petit... Bah écoute, si Bejito il le fait, moi je suis partant. Moi, pour faire le déplacement. Je me déplace et on l'aide dans l'organisation. Bonne chance à Lopzad et à Zélien. Bonne chance les gars. Allez les gars, début de la finale. Voilà. C'est parti. Allez, première attaque de Zélien. Première attaque de Zélien. Avec le super Yuga Dreamfest face à Akai Dreamco. Wattel, c'est exactement. Pourquoi pas. Moi, je suis s'il faut, ouais, pourquoi pas. Allez, Zélien qui ouvre le bal de la finale. Un coup de tempête. Un petit coup de Stormy dans le front. Exactement. Que ça bonne va finale, les gars. Merci, Seb. Allez, premier Akai qui vole. Le Ishizaki qui vole. Bonne finale, Zeko. Merci. Merci les gars, bonne finale à vous aussi. Qui fait un match? Allez, le Stormy. Ça fait des cadeaux et tout. Ouais, je vais dans la tête. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de cadeaux, donc ça va aller très très vite. Eh ouais, Kashimazu qui s'allait. Mais attends, sur qui elle va retomber? Ou sur quoi? Elle retombe sur le Roberto de Zélien. Amorti, il va pouvoir tirer de toutes ses forces. Allez. Pas de crit. Et un seul buff. Voilà. Non, deux buffs et un debuff, du coup. Finalement. Ouais, mais bon. Oui, mais bon, moi, t'as vu, je. Toi, t'as un ordinateur, t'as fait le calcul direct. Voilà. Quel beau gosse. C'est ça. Wakashimazu, est-il le meilleur gardien en ce moment? Et il n'en est pas loin en tout cas. Il est l'un des meilleurs, on va dire. Clairement. Allez. Et ça tranche. Le Wakashimazu qui a énormément de buffs, il en a 5. Et c'est récupéré par Lolzad. Allez. Le Jito. Attention. Ah, le Shigo qui récupère. Attention à ses erreurs. Zawa peut en témoigner. Attention à ses erreurs. Il a frappé, bon, pas de crit. Pas photo. Pas de crit. Mais il a 5 buffs plus une. C'est quoi? C'est un. Le truc là, tu sais, le. Le bouclier. Il me semble que c'est justement pour empêcher d'être debuff. Des buffs. Pas de bêtises. Sur le chat, reprenez-moi si je me trompe. Et ça rentre, ça rentre. Ouverture du score de Zélien. Qui a profité de la petite erreur de Lolzad. Rien n'est terminé encore, bien évidemment. Il reste beaucoup de temps encore. Mais premier avantage pour Zélien. Allez,
Le Takashi Sawada. À la bouclier pour bloquer les debuffs, exactement. Merci d'avoir confirmé, Loulou. Merci, Loulou. Toujours, toujours au taquet, Loulou. Toujours au taquet. Merci, frérot. Merci. En espérant que tes requêtes contre ces cheaters porteront leurs fruits. T'as Godfire qui félicite Zenia pour son but. Comment? Eh ouais, eh voilà. Allez, ouais, première attaque. Tu coupes à l'huile d'olive, toujours. Allez. Le Yuga face au Misaki. Bien monté. Ouais. Interception et tac, normalement. Ça devrait normalement sûrement. Ah non, ça dribble. Match nul. Match nul. Ouais, je m'en doutais. Match nul. Ça revient quand même encore sur le LZ. Avec le Roberto. Roberto qui est encore assez loin des buts. Ah, il y a eu Yumikura. Yumikura avec son sac de puissance rapide. D47. Face 15% passe au Jap. Mais normalement, ça ne prend pas sur le Roberto. Allez, que va faire Globe Z? Comment il va se sortir de ce pétrin? Il met le full power. Le dribble. Oh! Et là, la belle faute de Yumikura. Carton jaune! Oh, damn! Monsieur Turpin. Ah, je vais sortir à la mi-temps pour la Monsieur mi-temps. Turpin qui sort le carton jaune. Ouais. À Lyon. En plus. C'est-à-dire que le match, c'est PSG-Reims, c'est un penalty pour Lyon. Je pense que Flo va... Allez, le duo maître-élève. Le goal. Allez. Le Roberto qui en a la surface. On va voir le crit. Crit goal. Attention, est-ce que c'est l'égalisation de l'OZ? Le Waka Shimazu qui n'a pas son passif. Attention, son carton jaune. Ouais. Attention. Crit goal. Normalement, c'est coup de poing. C'est Wakado. Wakado, ça rentre pas. Non. Wakado. Il y a 18 joueurs dans la surface. Ouais, t'as un truc de ouf, Seb. Ouais, c'est incroyable. On sent le mode défensif. Ouais. Le punch. Ça revient sur Zélien. Quand même. 35e minute. Il lance le tir le plus puissant. Zélien qui a vu que le goal. Le cri tribo qui fait plaisir. Je pense que Ziné, il a dû voir que Mazou n'avait plus de stam. Il a presque plus de stam. Et je crois qu'il a utilisé son full power à notre ami Lob Z. Attention. Oh, double cri tribo. Le Wakado, normalement. C'est-à-dire que c'est une finale forte en RNG quand même pour les deux. C'est beau. Heureusement que le cri tribo est tombé pour le Shimazu. Heureusement. La Fofo Rimbo, c'est ça. C'est exactement ça. Laissez-le bon. Voilà, tir de la feuille morte. Goal. C'est le plus beau tir du jeu, on est d'accord. C'est le plus beau tir du jeu. Voilà. Ishizaki contre Ishizaki. Ah ouais, c'est ça. Bien. Donne-moi la balle. Attends. Et corner. Corner. Bravo, Love Z. Il va pouvoir avoir une dernière action avant la mi-temps. Allez, 41 minutes. Dernière action pour l'OGZ avant la mi-temps. Allez. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Non, Santa, ça s'appelle la RNG. Sois pas grossier. C'est vrai ou pas? Ça tire son pression de sa propre surface. Ouais, bah écoute. Ça paye. Ça a payé. Allez, le dribble. Est-ce qu'il aura le temps de tirer? Normalement, oui. Est-ce qu'il aura le temps de tirer? Normalement, oui, il a le temps.
ou de faire une passe. Ça fait une passe. Ah, il a une reprise, petit pont. Rovesiata, petit pont. Mais normalement, le Shizaki enlève, va l'enlever. Normalement, ça va enlever. Hein. Normalement, ça va enlever. Hein. Ouais, en plus, pas de crit, ça va l'enlever. Hein. Easy. Voilà. Voilà. Et c'est là que. Ouais. Attention. Oh, mais non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là, et la mortie. Est-ce qu'il peut tirer? Ce serait. Il peut tirer. Attention, dernière. Ouais. Nani, la RNG, c'est clair. Pas de crit toujours. En tout cas, belle pression de l'OZ avant la mi-temps. Grosse pression. Toujours pas de crit. Ni pour l'un ni pour l'autre. Attention. Et ça rentre. Égalisation à la dernière seconde de la mi-temps. Bravo l'OZ. Bravo, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Un partout. Un partout. Ah oui, il y en a. Il y a. L'OZ va nous sortir son petit nature rouge. Ah. De gros nature. Mais ça, c'est pas la coupe de. Quand ils ont gagné la qualif en Asie. On dirait. Je l'ai pris à cause des grandes oreilles, ça fait un peu Ligue des Champions en fait. En tout cas, elle est vraiment très belle la coupe. Ouais, j'ai vu et j'ai bien aimé la coupe. Ah, très bon choix. Ah ouais, tu peux la gifle ? Ouais, vraiment super. Moi, je le mets en position. Allez, ça ajoute tactique. Ça va rentrer. Est-ce qu'on va avoir droit à des prolongations ou pas? Je sais pas. Le Matsuyama, super sub. Le Akai et le Shingir qui rentrent. Deuxième mi-temps, les amis. Allez, de cette finale, de cette grande finale, un partout. Est-ce que tu penses que ça peut aller en prolongation ce match? Je pense qu'il va y avoir un but avant. Je pense. Je sais pas de qui, mais. Fais attention, Charles, il y a les yeux qui brillent en parlant de la coupe, ça sent le braquage. Ah ma gueule, c'est quoi hein? Je veux être le champion, je le suis. Hein. Allez, passe de l'aigle. À 50. Ça va lancer le Naturezza. Super remplaçant. Attention, ça passe. Ça passe difficilement, mais ça passe. Pour le Natu, face au Ishizaki. 97. Ça annonce le dribble pour se débarrasser du peut-être la pleine puissance, exactement, parce qu'il a un passif, il a mon amoureux, parce que quand il est en power, ça bouge encore plus, il a un bonus supplémentaire en fait ce genre là. Allez, il est face au Waka Shimazu, il se lance le ballon, balle haute pour faire la framework volante en retourne acrobatique. Allez. Ah non, toujours pas de crit. Il est vraiment... Pas de crit. Mais ça devrait. Moi je pense que ça passe. Tu t'en penses quoi? Ça passe ou pas? Attention. Ça va. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Il est là. Le Shimazu est là. Ça va pouvoir. Zenia va pouvoir se sortir de là et entamer une contre-attaque. Allez, le Tsubasa devrait passer assez facilement le Roberto. Shimatub, on l'a dit, SF. Shimatub. Ouais, Shimato. Allez, la passe. Shimatov. Comme dirait notre ami Seb. Là, c'est mon neuvième match. Attention, ça va arriver sur le Yuga face au Shizaki. 97.
348, ça peut passer, mais il faut faire la tempête. Voilà, la tempête et un petit coup de crit. Le full power de l'OLZ. Tire. Ouh, duel de crit gold. Crit gold. Crit gold de Zélien. Faut pas oublier le passif. Ah non, mais il n'a pas le passif. Oh ah, c'est le Stormy qui a le passif. Mais franchement, c'est Ishizaki là. Franchement, c'est n'importe quoi. Ouais. Le 97 et le Dreamfest, c'est n'importe quoi. Ouais. Allez, le Sawada. Rimko, interception. Monsieur, mesdames de Shingir. Crit Rimbo en plus. J'imagine une MVP du tournoi meilleur des... Attention, Zélien a une nouvelle occasion de frapper. Pas de crit. Pas de crit. Reprise. En tout cas, on a une belle finale. On a une belle finale. Très très belle finale. Ouais. C'est assez indécis. Il y a plein de retournements de situation. Allez, crit gold pour Shimazu. Normalement, ça devrait être arrêté. Normalement, le Wakado. Voilà. Attention sur qui ça va retomber. Attention sur le Roberto de Zélien. Zélien, encore une nouvelle occasion de mettre la pression à l'OLZ. Comme une sensation de déjà vu. Voilà. Allez, il va être tout seul. Attention. Attention, pas de crit toujours. Ça tire, ça spam, ça. Ça bombarde. Ça bombarde. Est-ce que l'angle de tir change quelque chose? Oui. Pour certains joueurs, oui. Pour quasiment tous les joueurs, il y a peut-être 2-3 joueurs dans le jeu où ils peuvent tirer. Crit gold. Aussi la distance. La distance, ça peut jouer. Il est très proche, il est quasi fermé. Ouais. Bah lui, il l'a pas. Roberto n'a pas ce. Il n'a pas le, il a pas la compétence anglaise. Voilà. Allez, l'OLZ va pouvoir se démarquer. Maintenant, il la touche. Elle revient encore sur Zélien. Zélien qui lâche pas l'affaire. Ça lâche pas l'affaire que le Matsuyama. Matsuyama, est-ce qu'il va tirer? Amis, malheureusement, vous n'avez pas pu voir le but de l'OLZ. Comment dire, 2-1, défaite de Zélien, victoire de l'OLZ. Très bon match. Voilà, très très bon match. On est en direct sur Twitter, comme ça au moins, vous pourrez au moins assister à la remise du trophée et des lots. Encore désolé, voilà, malheureusement, il y a eu plusieurs coupures, mais bon, ça n'a pas terni l'ambiance de la soirée. En tout cas, je tiens à tous à vous remercier d'être venus nombreux, de votre fair play, bienveillance, et franchement, vous avez tous été au top. Bravo à vous. Bravo à vous, les gars. Voilà, bravo à vous. Voilà. Et je vais remettre la coupe à l'OLZ, le outsider. Bravo à toi. Merci. Voilà, le gagnant. Bravo, les gars. Bravo. On va remettre une médaille. Où est mon petit Chamix? Oui, c'est parti. C'est pas grave. Il y a quelques secondes. Tu peux me tenir le téléphone? Vas-y, ouais, tu vas la faire la remise, mon gars. Vas-y, fais-la, fais-la. Ouais, malgré les problèmes techniques, mais bon, ça. Ouais, qui sont arrivés au pire moment, mais en tout cas, ouais, ça, bah, t'es de retour, cool. Bon, en tout cas, bah, les joueurs sont restés malgré la chaleur et l'heure tardive, surtout ils sont tous là. Mais voilà, donc. On est toujours là. Avec Rédi. Appelle-moi Chamix Blatter. Bon, les vainqueurs, là, avec le podium, là, les gars. Allez, monsieur Zélien. L'OLZ. C'était cool. Vous avez dignement représenté la France comme d'habitude. Et n'oublions pas. N'oublions pas Chamix qui a quand même gagné la petite finale. Là, qui a gagné? C'est pas moi, c'est Shane. Ah bah oui, pardon, j'ai dit Chamix, oui Shane. Ouais, les deux commencent pareil, j'ai fourché. Faites-moi votre plus beau sourire, les gars. Attendez. C'est pas fini. L'OLZ, le mail de Waka. Ah ouais,
Zélia, t'as le choix entre Nita ou Matsuyama. Oula, Nita, Nita, j'ai entendu une fois. Oh, yeah, ça déclare la guerre. Matsuyama. De toute façon, toi, t'es fan. Ouais, ouais, moi, c'est parfait. Oh, ça, c'est beau. Ça. C'est beau. Bravo, Zélia. Bravo. Attendez, c'est parti de là. Voilà. Mitchell, on va voir le petit Nita. On va voir le petit Nita, Mitch. Bravo, les gars. Voilà, Mitch, j'annonce. Prochaine signature à la Foufou, Mitch. Après ce geste-là, il ne peut plus refuser. D'accord. Ça fait l'ironie, tu vois, des trucs. Genre, bon, en tout cas, voilà. Merci à tous. Très belle soirée. On a débordé, comme d'habitude. Pardon, pardon à l'Israël Café, on a encore débordé. Mais là, pour une fois, c'est pas de ma faute. Là, pour une fois, c'était pas de ma faute. Donc, mais bon, on a géré. C'est la faute à Vanille ou c'est comment? C'est la faute à qui? La faute à. Voilà. Voilà, les gars, merci d'être venus. Merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, j'ai passé une très bonne soirée à vous à commenter les matchs. Et on essaiera peut-être de faire ça pour le printemps 2020. On va essayer. Voilà. Pour fêter la nouvelle saison. Voilà. Je vous kiffe et à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.